Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire organisé conjointement par Sorbonne Université et l'Université Paris-Saclay et intitulé « Sciences et sociétés, quelles bonnes pratiques internationales ?» Je me présente, je suis Fabrice Rousselot, directeur de la rédaction du média The Conversation France, un média qui œuvre à sa manière aussi pour faire le lien entre sciences et société, puisque nous publions des articles de chercheurs et de chercheuses qui collaborent avec des journalistes sur l'actualité et sur l'actualité de la recherche. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter une étude qui a été pilotée par Sorbonne Université et l'Université Paris-Saclay. Et je suis ravi d'avoir à côté de moi Nathalie Drac-Thémann, la présidente de Sorbonne Université. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Et donc nous sommes ravis d'accueillir évidemment les gens qui sont là dans la salle aujourd'hui à Jussieu, mais également toutes celles et ceux qui nous rejoignent par les chaînes YouTube de Sorbonne Université et de l'Université Paris-Saclay. Cette étude, Nathalie, elle porte sur... sur 10 universités internationales où on a essayé de faire le point un petit peu sur les bonnes pratiques en termes de sciences et sociétés. Elle tient aussi, elle intervient dans le cadre de la labellisation SAPS, hein, Sciences avec et pour la société, qui a été initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Est-ce que vous pouvez tout simplement donner un peu la genèse de cette aventure commune avec Paris-Saclay? Oui, tout à fait. Tout d'abord, je voudrais excuser la présidente de Paris-Saclay, Estelle Iacona, et donc du coup, je parlerai en nom de nom dans cette courte introduction. Je voudrais aussi commencer par des remerciements. Hein, je pense que c'est important avant de parler du projet. Je voudrais remercier le vice-président Art, Culture, Sciences et Société de Paris-Saclay, Hervé Doll. Je voudrais aussi remercier, alors ça ne va pas être exactement dans le même ordre, le vice-président Art, Sciences, Culture et Société, j'espère que vous avez vu la différence, de Sorbonne Université, Pierre-Marie Chauvin, donc pour cette proposition de projet, de benchmarking effectivement international sur les bonnes pratiques en matière de sciences et sociétés. Et puis je voudrais remercier, et on le verra tout à l'heure, le collègue qui vient de CIRIS, remercier vraiment CIRIS pour son accompagnement sur le projet. Et bien sûr, et quand même le marquer et le saluer, cette collaboration fructueuse entre nos deux universités, Paris-Saclay et Sorbonne Université. Donc je pense, par rapport à votre question, je pense que vraiment ce benchmark, c'est une action inédite, donc qui fait suite à la labellisation SAPS, comme vous l'avez dit, donc science avec et pour la société. Nos deux universités ont été labellisées SAPS, comme trois autres universités dans cette première vague. Et l'objectif de ce travail, c'est vraiment de contribuer ensemble à dynamiser au sein des universités la mission Sciences et Sociétés, et en rendant public ce rapport à travers ce webinaire, c'est partager ensemble les stratégies et les actions qui sont développées dans 10 universités internationales en Europe, en Asie et en Amérique. Donc vraiment, c'était l'objectif de ce projet. Je pense que les relations sciences et sociétés sont pour nos universités un enjeu stratégique, un enjeu pour renforcer le rôle des universités au cœur de la cité. Hein, je pense qu'on a vraiment... Un enjeu citoyen, tout simplement. Un enjeu citoyen, ouais. Ouais, tout à fait. On a mis en place dans nos universités, on a des politiques très volontaristes sur ces aspects sciences et sociétés. Donc on a mis en place, on a dans nos équipes de gouvernance des vice-présidents qui sont intéressés, enfin qui travaillent sur cette mission. On a des directions dédiées dans chacun de nos établissements, et je voudrais aussi remercier ces directions pour tout le travail qu'elles réalisent. Et puis on met en place aussi des structures et des outils, on a des plateformes de recherche sur ces sujets-là, on a des plateformes de sciences participatives, on parlait du citoyen, et puis on a aussi notamment la maison pour la science. Donc vraiment, science et société est pour nous une mission essentielle de nos universités. Alors, nos stratégies d'établissement qui sont illustrées par ce projet ont été reconnues, vous l'avez dit, par le label SAPS et également par les projets Excellence, Springboard côté Université Paris-Saclay et puis Sound côté Sorbonne Université. Donc c'est vraiment une construction à travers des labellisations, des projets. Des nouveaux projets qui viennent d'être labellisés et qui vont être financés et qui vont nous accompagner. Et donc vraiment l'idée et l'enjeu à venir, c'est d'amplifier ces actions et ces projets financés vont nous permettre de le faire, de se structurer mieux encore sur ces sujets, de former en interne nos collègues, bien sûr nos collègues enseignants-chercheurs et chercheurs, mais aussi nos doctorants.
pense que c'est aussi un enjeu important. Et puis, de former en externe à ces enjeux de la science, à cet enjeu de la démarche participative, de la démarche scientifique, le grand public, les citoyens, les plus jeunes, hein, on a des actions aussi avec les plus jeunes dans les écoles, les collèges et les lycées, avec les médias. Très bien, vous l'avez signalé. Voilà. Et puis, un enjeu extrêmement fort aussi avec les décideurs publics et privés. Et c'est vraiment l'idée de sensibiliser tous ces publics-là aux enjeux de la science. Et j'aime beaucoup dire que c'est aussi aux enjeux de la démarche scientifique, de comprendre ce qu'est la démarche scientifique pour mieux appréhender ce que veut dire la science. C'est vraiment le lien, en fait, d'une certaine manière, entre la recherche, le citoyen et les décideurs. Voilà, tout à fait. Tout ça étant articulé et prenant une dimension plus importante. Voilà, et puis d'imaginer qu'un certain nombre de décisions politiques, même si elles sont orientées par des choix économiques, stratégiques, etc., qu'elles intègrent encore davantage ce qu'est la science et les résultats de la science pour les décisions. Donc en tout cas, nous on considère qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de penser la recherche et la formation sans penser ce lien, et vous l'avez dit, sans penser ce lien entre la science et la société. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, du fait, nous allons aller tout simplement intégrer le cœur maintenant de cette étude. Et j'invite Joran Bellengrün, qui de Siris Académique, à venir nous parler de cette étude. Peut-être nous présenter un peu Siris Académique. D'abord, Joran, bonjour. Et puis nous dire tout simplement comment vous avez procédé. On sait qu'il y a 10 universités, comment vous avez sélectionné, avec quels objectifs. Mais présentez-nous peut-être un peu Siris Académique rapidement pour nous dire un peu comment, je sais que vous travaillez sur les domaines de l'éducation et de la recherche. Exactement. Alors, bonjour à toutes et tous. Siris Académique, c'est une boîte de conseil spécialisée dans la stratégie d'éducation supérieure, recherche et d'innovation basé à Barcelone, mais on travaille dans toute l'Europe avec plein d'universités, aussi des fondations scientifiques et des gouvernements. D'accord. Et dans ce cadre, on réalise aussi que la mission science-société gagne en importance. Au début, nous demandons de faire beaucoup de cartographie de recherche, etc. Mais après, on réalise aussi que l'impact de la recherche gagne en importance. Et la question se pose, comment organiser tout ceci dans les universités? Donc c'était ça un peu les objectifs. Et puis, alors, comment vous avez procédé du coup? Comment on sélectionne par exemple 10 universités internationales pour cette étude? Exactement, c'est pas facile comme il y a des milliers d'universités dans le monde. Ouais. Et comme n'importe quel benchmark, il faut faire des choix. Et dans ce cas, on a fait des choix de trouver des universités similaires à Sorbonne et Saclay avec qui on a travaillé. Des universités partenaires dans les réseaux des universités européennes de Sorbonne et Saclay. Après, d'autres universités francophones dans le monde, parce que ça touche souvent aussi le même public. Si on communique ici en français, on peut toucher aussi un public canadien, belge et toute l'Afrique. Et puis aussi d'autres universités intensives en recherche, le rang mondial, en dehors de l'Europe. D'accord. Et quand vous dites similaire, c'était de taille similaire, les universités étaient de taille similaire, et elles sont toutes francophones, les 10 sont francophones? Non, il y a 3 ou 4 francophones. D'accord. Et après les autres en taille similaire, mais aussi similaire en termes d'intensif en recherche. Ce n'est pas la même chose, une grande université de rang mondial qui a une cinquantaine de prix Nobel, et puis une université locale qui est ancrée dans son territoire, qui veut créer un impact dans la région, qui forcément fera sans doute aussi plus d'activités science-société, parce qu'elle travaille aussi avec les acteurs du territoire. Expliquez-nous du coup comment vous avez procédé pour cette étude, avec quels axes, comment on fait des catégories peut-être un peu de bonnes pratiques, comment ça s'est passé, comment vous avez procédé tout simplement pour mener l'étude, et ça a duré combien de temps l'étude elle-même? L'étude a duré 3-4 mois. D'accord. Entrevues avec les différents acteurs et la recherche documentaire. Et la manière comme on a structuré le rapport qui va être publié là d'ici quelques secondes sur Internet, on l'a catégorisé dans 3 domaines d'activité. Un, la science citoyenne. L'autre, c'est la dissémination d'expertise vers des décideurs et des experts et aussi les médias. Mm-hmm. Et le troisième, c'est la diffusion et la médiation vers un grand public. D'accord. Et puis, dans toute une autre partie, on a regardé aussi la structuration de ces activités au sein des universités mêmes. Alors, comment les universités, ils organisent ces activités dans les,
dans ces institutions. Et donc, vous avez posé des questions aux universités par rapport à un questionnaire bien précis. Comment ça s'est passé, l'étude ? C'est-à-dire que, qui vous avez interrogé ? Est-ce que vous avez interrogé tous les niveaux d'université ? Je ne sais pas, du président au doctorant. Comment ça s'est passé ? Ouais, c'était ça le challenge. Hein. On ne pouvait pas faire une centaine d'entrevues. Et du coup, on a fait des entrevues avec, entre autres, beaucoup de vice-présidents de sciences-sociétés, mais c'est une fonction qui n'existe pas dans toutes les institutions, c'est ça c'est aussi vrai. La difficulté. Souvent, c'est aussi des vice-présidents de transfert qui ne sont pas seulement en charge de communiquer la recherche envers la société, mais aussi dans le domaine d'innovation et tout ceci. D'accord. Mais après aussi des directeurs d'unités de communication, directeurs de cellules de sciences-sociétés, et des centres transdisciplinaires de recherche qui de recherche appliquée envers par exemple des challenges d'objectifs de développement durable. D'accord. Et tout le monde était OK pour répondre à vos questions ou il y a eu quelques réticences? C'est juste OK, ouais. Non, absolument. Du coup, donnez-nous un peu les résultats. Est-ce que voilà, comment est-ce qu'il y a des tendances qui se sont un peu dessinées? Et puis peut-être, je sais que vous avez des exemples aussi à nous donner, mais voilà, est-ce que vous avez une approche un peu globale des résultats? Et puis après, peut-être qu'on peut voir les exemples un peu et précisément dans quel cas et dans quels exemples cette relation science-société s'est instaurée dans telle ou telle université. Oui. Alors, je crois qu'un des enjeux principaux, c'est le balance entre les initiatives bottom-up, mm-hmm. qui c'est des initiatives individuelles de quelques chercheurs ou chercheuses au sein des institutions, et comment une stratégie, comme une institution peut donner du support à ces initiatives et en même temps avoir sa propre stratégie institutionnelle d'activité science-société. Et c'est ça l'enjeu d'assurer qu'il n'y a pas trop d'initiatives plutôt d'un niveau amateurisme qui, du coup, pourrait aussi avoir comme impact qu'on perd la confiance en la science parce qu'elle est peut-être mal communiquée. Ça, c'est un des enjeux. Donc, l'implication de l'université au niveau institutionnel quand, justement, il s'agit de rendre compte de ces... non seulement d'en rendre compte de ces initiatives, mais aussi d'y participer. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que bottom-up, hein, on le rappelle, c'est de bas en haut. Pardon. Et donc, c'est être sûr que l'université s'empare de l'initiative et communique correctement quand il s'agit d'en rendre compte. Exactement, exactement. D'accord. Et l'autre, c'est le constat que les sciences-sociétés sont organisées d'une manière très variable au sein des institutions. Et si on veut apprendre d'autres institutions, il n'y a pas une formule magique. Chacun a son contexte, chacun a son écosystème, des partenariats spécifiques, peut-être avec des grands musées auxquels ils sont rattachés ou pas rattachés. Et du coup, la conclusion du rapport, ce n'est pas une conclusion globale, mais plutôt qu'on doit bien comprendre son contexte et du coup s'y agir de cette manière. Voilà, donc il n'y a pas de recette miracle, c'est aussi à l'université de s'imposer dans son territoire par rapport à un contexte qui est le sien, et par rapport aussi à ces enjeux, sur certains domaines, etc. Vous avez des exemples. Du coup, est-ce qu'on peut aborder ces exemples, justement, pour voir un peu comment ça s'organise? Et puis, je me permettrai de vous poser des questions sur les différents exemples. J'ai préparé tout des slides avec des exemples. Vous voulez que je le montre directement avec les slides? Oui, pourquoi pas, bien sûr. D'une manière structurée, comme ça, on se lance un peu dedans avec quelques belles images. Parfait. Du coup, niveau des exemples, j'avance directement. J'aimerais quand même vite clarifier la manière comme on a catégorisé des activités science-société. Comme expliqué avant, il y a les exemples d'activités de participation citoyenne à la science. Mm-hmm. Où l'enjeu, c'est la démocratisation de la science, l'éducation des citoyens, utiliser le savoir des citoyens pour promouvoir l'innovation. Et du coup, aussi, en faisant tout ceci, on contribue à légitimer l'investissement public dans la recherche et gagner la confiance des citoyens envers la recherche. Là, on est dans l'échange. En fait, le citoyen participe également à l'initiative. Exactement. Dans un sens, c'est dans les deux sens. Exactement. C'est ça aussi un peu l'évolution du domaine de la science-société. C'est partir d'une diffusion des sciences vers un public plutôt passif, vers un public qui participe activement dans la science. Et ça, on voit la participation des citoyens à la science. Là, c'est un cas plutôt intermédiaire où on doit se poser la question si on attend que les décideurs ou la presse viennent vers les chercheurs et demandent des informations, ou bien
que c'est l'université elle-même qui va envers les décideurs publics, la presse, pour leur donner des informations, et du coup, de quelle manière on structure la transmission d'informations vers ces acteurs. Et du coup, là, le troisième catégorie qu'on a utilisé dans le rapport, c'est la diffusion classique de la vulgarisation scientifique, la médiation scientifique. Et on voit une multiplication de ces activités et chacun doit trouver son public. Et là, l'important, c'est de bien cibler la communication envers un public niveau thématique, niveau âge, niveau expertise et tout ceci. Et pour éviter aussi l'amateurisme, promouvoir la formation des personnes qui font ce genre de travail, qui sont souvent aussi des chercheurs individuels. C'est là que The Conversation, notre média, intervient, puisqu'on est dans un secteur de diffusion. La question que je me pose en voyant ces trois axes, c'est est-ce que les universités ont les mêmes moyens parce que c'est quand même beaucoup de moyens, à la fois financiers peut-être, mais surtout en termes de ressources. Est-ce que les universités que vous avez pu étudier ont les mêmes moyens pour s'impliquer dans ces initiatives sciences et sociétés? Ou est-ce qu'il y a des moyens qui sont vraiment disparates et du coup, ça crée une différence au final? C'est clair, les moyens sont vastes. Alors, ce qu'on a vu dans l'étude, c'est que quelques universités financent eux-mêmes quelques postes dans leurs unités de sciences sociétés qui complémentaient souvent avec des appels à projets publics, du financement public, national, européen, etc. Mais ce qu'on voit aussi, surtout aux États-Unis et en Angleterre, le rôle de la philanthropie. La philanthropie, et ce sont un des endroits le plus intéressant pour la philanthropie d'investir dans des universités, parce que c'est là aussi où ils ont le plus de visibilité envers le public et ils peuvent montrer qu'ils ont investi dans ces initiatives. Et on voit il y a plusieurs exemples dans le benchmark de philanthropie. Un des exemples qu'on a mentionné ici, c'est le Technion Madatech Citizen Lab. C'est une collaboration entre le Technion à Haïfa et le Musée national israélien des sciences, technologies et de l'espace, qui a comme but de relier l'enseignement scientifique, la communication scientifique aux besoins des intérêts de la communauté, alors comprendre ce que la communauté veut savoir quand on enseigne la science. Mm-hmm. Et tout ceci a été possible par une donation philanthropique d'une personne. La même chose pour les Science Gallery à London. Il y a un autre centre de communication scientifique, le ALDA Center, aux États-Unis, qui a été lancé par un acteur, en fait, qui adorait les sciences. Et du coup, par ces enseignances du théâtre d'improvisation, ils enseignent comme ça des chercheurs à communiquer en sa méthode la science. Dans cet exemple donc israélien, si j'ai bien compris, donc le musée, par exemple, demande aux gens qui sont là, etc., qui viennent au musée, ce qu'ils aimeraient avoir en termes de communication, quels sont les thèmes qui les intéressent. Et du coup, il y a un lien avec l'université ou avec le lab qui travaille sur ces thèmes-là. Donc c'est vraiment, encore une fois, on est dans cet aller-retour qu'on évoquait tout à l'heure. Exactement. D'accord. Ouais. Alors, il y a un autre exemple là, c'est l'Université du Québec à Montréal. Et ça va un peu dans la même direction. Alors là, la raison pourquoi je l'avais présenté ici, c'est le service aux collectivités à l'Université du Québec Montréal, où ils ont une politique spécifique pour collaborer avec des groupes sociaux qui ne sont normalement pas desservis par les universités. Des groupes indigènes, des personnes en situation de handicap, des femmes, etc. Alors, ils ont des catégories spécifiques que je ne connais malheureusement pas par cœur. Et du coup, ils ont du financement pour aider à inclure ces personnes dans l'université et aussi faire de la recherche de co-création avec eux. Et c'est pour ça qu'ils ont des programmes d'aide financière chaque année où ils financent 10 projets, où le savoir de ces communautés, qui sont souvent du savoir complémentaire au savoir classique de l'université et inclus à l'université pour travailler ensemble avec des chercheurs sur des projets souvent d'importance sociale et économique de la région. Donc là, c'est intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même l'université qui s'adapte un peu à son contexte, qui va chercher des populations qui, d'ordinaire, n'ont pas forcément d'échange avec les chercheurs ou les chercheuses. Et là, encore une fois, il y a de la complémentarité. Exactement, oui. Et ils font ça sur l'échelle du Québec. Alors exactement, ça c'est sur l'échelle du Québec. Et après, ça revient aussi un peu à la question de l'expertise auprès des décideurs publics. Et je pourrais ajouter, c'est quand les décideurs publics viennent vers l'université pour aussi demander de l'expertise. Et
Exactement, c'est ça. Et du coup, il y a un besoin social d'informations fiables dans la politique, et cette expertise est souvent appartient aux chercheurs, aux chercheuses mêmes. Et du coup, la question se pose pour l'université, comment une médiate entre les chercheurs et les chercheuses et les décideurs publics, s'ils doivent structurer ceci et de quelle manière. Et là, il y a deux exemples. Un en Suisse, d'où je viens, qui est RTS, Avis d'experts, qui est une collaboration entre la télé nationale de la Suisse avec les universités de la Romandie, où ils ont créé une plateforme en ligne qui rassemble, les entretiens de presse de tous les académiques des universités, les catégorise par thématique. Et comme ça permet de comprendre, si on veut parler de changement climatique, quels sont les chercheurs qui ont déjà parlé de la presse. Mais l'autre, c'est aussi un nouveau projet qui s'appelle Compascience, qui est une cartographie sémantique de tous les experts au sein de l'université, qui cartographie qui travaille dans quel domaine, et si vous, comme journaliste ou comme décideur, cherche un expert, peuvent aller sur ce site internet et trouver vos experts. Là, en fait, c'est du service public, j'allais dire, à l'heure de la désinformation qui aujourd'hui inquiète tout le monde, notamment les décideurs. C'est vrai qu'avoir une information fiable sur laquelle on peut travailler et à laquelle on peut se référer lors d'intervention, c'est important. Là, on est vraiment dans quelque chose, j'allais dire, oui, de quasi de service public. Exactement. Après, l'important, c'est aussi de ne pas mettre tous les chercheurs et chercheuses d'université dans cet outil. C'est aussi important d'avoir des chercheurs formés à communiquer avec ce genre d'usagers. Et ça, c'est tout un autre enjeu des universités, de former les personnes dans une telle démarche. L'université de Cambridge fait quelque chose d'un peu similaire, mais elle répond directement, j'ai l'impression, aux besoins d'expertise aussi des décideurs. Exactement, c'est ça l'enjeu de la formation. Ils ne forment pas que des chercheurs, mais aussi des décideurs publics. Ils ramènent ensemble les décideurs et les chercheurs dans la même salle. Ils font ensemble des ateliers, des formations sur des thèmes scientifiques pour que le chercheur il comprend ou elle comprend quels sont les enjeux politiques de leur recherche, et aux politiciens de comprendre quel est l'enjeu scientifique du débat sur lequel ils sont en train de mener. Et là, une des exemples importants qu'ils ont, et c'est très commun en Angleterre, c'est les bourses pour renforcer les relations. C'est like un pairing scheme. Alors, ils les mettent un chercheur et un politicien ensemble. Ils travaillent pendant des mois ensemble sur une thématique et ils font un peu du job shadowing. Alors, ils les suivent dans leur quotidien. Et ça, c'est un des exemples qui a assez de succès aux États-Unis pour rapprocher comme ça les deux mondes. On a vu quelques exemples, on en verra d'autres. Mais est-ce que vous avez perçu certains défis? Est-ce qu'il y a des défis plus importants que d'autres dans la difficulté? Est-ce qu'il y a des difficultés quelquefois que vous avez pu établir aussi par rapport à la mise en place de ces initiatives? Quels sont les défis que vous avez pu observer? Oui. Alors, un des défis, c'est de trouver une bonne balance entre, comme on expliquait au début, des initiatives individuelles et ce qui revient de la stratégie institutionnelle. Et là, il y a un exemple intéressant à l'université McGill. Il y a le McGill, alors au Canada, c'est le McGill Office for Science and Society, qu'on a trouvé en faisant le benchmark. On a pensé que c'est l'office officiel de l'université qui communique toute la science envers le public. Mais après, en fait, il y a tout le temps cet homme-là, ce Joe Schwartz, qui ressort. Et ce qui la conclusion, en fait, c'est que c'est un de ces chercheurs qui a créé ce office. Et avec le but de, comme il le dit en anglais, separate sense from nonsense. Alors, c'est un moment de promouvoir la pensée critique et la présentation d'informations scientifiques au public. Et il fait ça en faisant des vidéos en YouTube chaque semaine autour de thèmes scientifiques. Il le fait lui-même, il est chimiste, mais il touche aussi sur d'autres thématiques. Et c'est dans ce cas-là où il travaille ensemble avec d'autres chercheurs à l'université où il leur demande de l'expertise. Mais par contre, dans sa propre faculté de sciences, il y a un autre Office for Science Society, un vrai Office for Science Society, qui est la vraie cellule de médiation scientifique de l'université, qui fait la diffusion des activités des autres chercheurs et chercheuses au sein des institutions. Il a l'air d'avoir de l'humour, le monsieur. Mais du coup, vous avez pu comprendre pourquoi il y avait cette espèce de dichotomie, pourquoi il avait, lui, ressenti le besoin de créer son propre centre alors qu'il y en avait déjà un qui existait. Ça veut dire que, justement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, bottom-up, c'est encore une fois entre le bas et le haut, quelquefois, la communication n'est pas bonne.
Oui, alors, le challenge d'une institution, aussi comme Sorbonne et Saclay, c'est des institutions immenses avec plein de différents facultés, plein de différents domaines de recherche. Et s'ils doivent communiquer chaque jour sur tout ce qui est fait à l'université, c'est compliqué de trouver aussi un bon public, un bon cible. Et si moi, je suis intéressé dans la pollution liée à toute la mobilité, je ne vais pas sur le site de Sorbonne et Saclay pour m'informer sur ceci. Je vais suivre ce détective, par exemple, qui parle chaque jour de ces domaines. Et c'est ça aussi l'enjeu, que souvent des individuels qui ont des propres canaux, les propres cibles, les propres thématiques, ils réussissent à atteindre un public beaucoup plus large qu'une institution qui essaie de concurrencer avec eux. Et du coup, je pense que ce n'est pas une concurrence, mais c'est le rôle de l'institution d'aussi donner du support à ces initiatives, mais du support ciblé, faire des décisions qui on peut supporter, qui, quand ils font des initiatives sur leur côté, c'est quelque chose vraiment à part de l'institution, et ce n'est pas une initiative de l'institution même. Là, je mets par exemple, en fait, c'est une image de moi il y a 10 ans presque dans FameLab, un concours de, comme la mathèse en 180 secondes, où il y a beaucoup de scientifiques dans le monde qui participent dans ce concours de vulgarisation scientifique. Et souvent, ils le font eux-mêmes dans leur temps libre. Et au Trinity College à Dublin, ils ont décidé ensemble avec le British Council, avec un support de fonds européens, de créer des formations spécifiques pour ces chercheurs à participer eux-mêmes de manière individuelle dans la nuit des chercheurs, dans FameLab, dans ma thèse à 180 secondes, etc. Ah, ça, c'est une solution intermédiaire. Il y a d'autres exemples encore que vous voulez évoquer avec nous ou pas? C'est à vous. Je sais qu'il y en a beaucoup, donc... Oui, alors j'ai mentionné la structuration, c'est une partie importante du rapport qui intéresse peut-être les personnes des différentes institutions ici. Désolé, c'est au début de tout ceci, c'est que les sciences et sociétés sont structurées de manière variable dans les différentes institutions. Des fois, ils sont rattachés au vice-président ou vice-présidente de la recherche, des fois vice-président de la troisième mission du transfert de la science-société, etc. Et dans d'autres cas, ils sont rattachés au directeur général des services, à l'administration, comme c'est des services de communication et tout ceci. Et ça, c'est déjà une organisation variable dans les institutions, mais après aussi, la taille de ces différentes institutions est très différente. Là, on voit deux exemples. On a Confluent de Savoir à Namur, qui a commencé en fait comme une cellule de médiation scientifique de la faculté de sciences dans les années 2000. Il y avait 2-3 personnes. Et ça s'est développé dans la faculté, dans la cellule de médiation scientifique de toute l'université, avec 5 employés. Ça reste petit, mais ça montre aussi que des structures, elles évoluent. Et en même temps, tu as King's Culture, qui est responsable que pour la culture et les partenariats avec le secteur culturel. Ils sont 18 employés. Et en Angleterre, c'est normal. Genre, quand on a fait l'entrevue, il a dit « Ouais, on n'a que 18 personnes. » On comprend avec la France ou là en Belgique, c'est énorme. Et dans leur cas, ils sont rattachés, de nouveau, au vice-président international, engagement, service, etc., mais aussi à la faculté d'art et humanité. Alors, on voit d'autres manières comme ces services sont organisés. Et quelque chose d'intéressant qu'il y a là, et on trouve aussi dans d'autres universités, c'est le rôle des espaces dans les universités pour promouvoir ce genre d'activité. Dans ce cas, ils ont le Science Gallery, qui en fait un réseau qui existe en 5 ou 6 différentes universités dans le monde, qui est un espace qui permet aux groupes de recherche de dialoguer avec les arts et la communauté créative, avec des expositions, des événements et tout ceci. Mais justement, j'allais vous parler de l'événementiel, parce que ça me semble primordial dans cette espèce de lien qu'on veut créer. Donc, la plupart du temps, au-delà des initiatives individuelles qu'on a pu voir tout à l'heure sur les réseaux sociaux, au-delà des implications des uns et des autres, est-ce que vous avez pu constater dans ces 10 établissements beaucoup d'événements? Parce que c'est vrai que nous, même à The Conversation, on fait ça, c'est-à-dire qu'on fait venir ensemble les chercheurs, les citoyens, et les échanges, là, on se rend compte que c'est très nourri et c'est très fructueux. Donc est-ce que c'est quelque chose qui se développe également de l'événementiel, où on fait venir un public qui est bien plus large que celui de l'université? Oui, alors c'est presque devenu quelque chose de basique de chaque université, c'est clair d'avoir des événements de diffusion scientifique et tout ceci. Mais des événements à grande échelle, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'universités
et les municipalités ou d'autres acteurs de la culture qui se rassemblent pour faire ensemble des événements de sciences société. On voit ça par exemple en Wallonie, il y a science.be, ça rassemble toutes les unités de médiation scientifique de la Wallonie en Belgique, où ils font chaque printemps un immense festival de la science ensemble, parce qu'ils réalisent, c'est comme les grandes infrastructures de recherche, tout seul c'est difficile de gérer quelque chose comme ça, mais ensemble on a un impact beaucoup plus grand. Et c'est la même chose pour la science-société, où on recoupe les différentes personnes. La même chose à Barcelone. À Barcelone, ils travaillent, la municipalité donne un support énorme dans toutes les activités, par exemple aussi de sciences citoyennes. Et au début, c'était des chercheurs qui pilotaient toutes les activités, mais ils voulaient créer une communauté de bonnes pratiques. Et finalement, c'est la ville qui a repris ce rôle de coordonner tous les différents acteurs. Et c'est pour ça aussi pourquoi Barcelone est reconnue comme une des villes qui a une des activités les plus fortes en sciences citoyennes, parce que ce n'est pas que piloté de quelques chercheurs ou d'une université, mais c'est au niveau systémique que tout ceci est piloté. C'est une implication aussi, il faut s'impliquer. En France, on a la fête de la science, par exemple, qui a eu vocation à mettre ensemble le public, j'allais dire, au sens large, et puis la recherche. On parlait tout à l'heure des défis, hein, vous avez évoqué le bottom-up. Quels sont les encouragements aussi, quels sont les points très positifs que vous avez pu observer à travers l'étude? Exactement. Alors, ce qu'on voit, c'est par exemple un support plus grand des bureaux de sciences et sociétés vers des initiatives individuelles. Parce qu'il y a beaucoup de bourses maintenant pour des chercheurs européens, nationaux, etc., qui demandent aux chercheurs spécifiquement de faire des activités de médiation scientifique. Et souvent, ils sont perdus. Ils ne comprennent pas pourquoi on doit faire ça. En fait, ils veulent faire de la recherche. Et du coup, pour avoir tous les points, ils doivent aussi créer de l'impact social avec des vidéos sur YouTube, etc. Et ce qu'on voit maintenant, c'est beaucoup d'unités de cellules de médiation scientifique qui donnent du support à ces chercheurs. Par exemple, ils se mettent ensemble avec eux au début du projet et essayent de faire un impact pathway, alors essayer de comprendre quel sera l'impact. Un chemin d'impact, exactement. Exactement, alors comprendre quel impact le chercheur ou la chercheuse va avoir pour accompagner comme ça les chercheurs de la meilleure manière pour que leur travail, ce n'est pas juste une case à cocher, mais que ça a un impact. Et ils font ça. Au début, ils font des formations. Alors ça, on voit ça pour le Center of Science and Culture à Utrecht, mais c'est à Louvain. Il est support avec une équipe de création de médias, etc. Mais ça dépend des universités, si ça vient directement, activement, des cellules de sciences sociétés où ils vont vers les chercheurs. Dans d'autres cas, c'est des chercheurs ou des chercheuses qui doivent aller vers ces cellules. Alors, c'est pas toujours la même manière. La présidente tout à l'heure de Sorbonne Université évoquait le fait aussi d'impliquer, l'importance d'impliquer, par exemple, jusqu'au doctorant. C'est quelque chose aussi que vous pensez utile d'avoir en fait toute une chaîne, j'allais dire, de responsabilités impliquées sur ces initiatives sans ces sociétés. Oui. Assez clair, parce que je veux dire, les étudiants et les doctorants sont, les étudiants sont le futur des doctorants, les doctorants sont le futur chercheur, peut-être pas, ça dépend de leur carrière. Et un des exemples ici au Danemark, c'est que les étudiants eux-mêmes et les doctorants sont impliqués dans la formation des sciences citoyennes et dans les activités de sciences citoyennes, et ils reçoivent des crédits par l'université pour ces activités. Alors, ils ne doivent pas eux-mêmes prendre une formation, mais ils donnent des formations et ça leur donne des points. Et dans ce cas, c'est intéressant, c'est la collaboration avec les grandes infrastructures de culture et sciences, comme dans ce cas le musée d'histoire naturelle, qui est un musée national, mais en même temps aussi appartient à l'université. Et c'est là le rôle des partenariats qui entrent en jeu entre les universités et ce genre de structure qui est clé pour créer un impact le plus grand possible. Au final, j'allais dire, vous êtes satisfait d'une certaine manière de l'étude, ou en tout cas, vous avez vu, on l'a dit tout à l'heure, quand même des progrès. Et donc, c'est quoi un peu les grands axes ou les grandes conclusions, à votre avis, de cette étude qui a duré quand même 3 à 4 mois? C'est évidemment assez long. Ce qu'on a repris comme conclusion de l'étude, c'est trois approches qui sans doute sont importantes à combiner au sein des universités. La première, c'est d'essayer d'insérer ces activités de sciences sociétés au sein des activités du cœur de métier de l'université.
Au début, on parlait des missions d'université, et peut-être on croit que c'est la troisième mission d'université de faire ce genre d'activité. Mais non, c'est plutôt, ça se transforme en quelque chose comme l'internationalisation ou le développement durable. C'est quelque chose de transversal au sein de toutes les différentes missions des universités qui doit être impliqué dans l'éducation, dans la recherche, etc., des sciences sociétés. Et ce n'est pas quelque chose en plus, mais quelque chose qui aide à transformer l'université. Et là, l'important, c'est professionnaliser le soutien dans tout ceci. L'autre, c'est utiliser les bonnes volontés et s'appuyer sur des démarches émergentes. Alors, appuyer sur le dynamisme de toutes les personnes qui sont passionnées et qui veulent apporter leurs activités de sciences-sociétés. Et là, c'est important que les universités bénéficient de ces démarches qui ressortent de l'université. Il faut toujours aller avec les gens qui ont envie, parce que c'est les gens qui ont envie qui, généralement, sont moteurs dans les projets. Exactement, ouais. Exactement. C'est eux qui lancent tout ceci. Et la troisième approche qui sera clé, c'est aussi de faire quelques choix stratégiques pour structurer quelques champs d'activité au sein de l'université, parce qu'on ne peut pas travailler dans tous les champs d'activité, on ne peut pas faire de la dissémination de toute la recherche, mais spécialiser peut-être sur créer un centre de science and policy comme au Cambridge ou à Stony Brook, créer un centre pour toute la communauté sur la communication scientifique, comment on veut former des chercheurs à communiquer la science d'une manière théâtralique, etc. Et une fois que ce choix est fait, ce choix dépend aussi des partenaires qu'on a autour d'eux, du financement et aussi le public qu'on veut viser ou le public qui vient vers les universités pour demander ce genre d'informations. Et souvent, ça arrive aussi que c'est lancé à l'université, mais après, ça se pérennise et il crée des structures spin-off qui sont finalement gérées par exemple, la ville de Barcelone, dans le cadre de Barcelone. Bah écoutez, merci. Hein, merci, Ron. Peut-être si vous voulez ajouter quoi que ce soit, mais je crois qu'on a fait bien le tour. On a vu les exemples, on a vu aussi la méthodologie, on a vu un peu les grandes conclusions. Merci pour ce travail. Parfait. Et puis, du coup, je vais inviter pour vous rejoindre sur cette petite estrade. Eh bien, tout simplement, on va faire une petite résonance maintenant, puisque on a vu des exemples. Mais comment ça résonne avec Sorbonne Université et avec Paris-Saclay? Eh bien, voilà, voici les vice-présidents Pierre-Marie Chauvin pour Sorbonne Université, Hervé Dole pour Paris-Saclay. Je ne sais pas qui commence, mais je vous laisse le choix, du coup, pour nous dire un petit peu comment vous réagissez à ça, puis comment ça résonne avec ce que vous faites. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Fabrice, bonjour Hervé. Alors, la première chose, c'est le sens de ce benchmark. Benchmark, alors ça peut être un gros mot dans l'univers universitaire, ça vient du marketing, c'est une étude comparative. L'idée, ce n'est pas du tout de se mettre à copier ou à imiter les exemples qui sont pris dans le rapport. Hein. L'idée, ce n'est pas de prendre un exemple et de le décliner tel quel dans nos universités. Pourquoi ? Parce que les universités ont une histoire, ont des caractéristiques, ce sont des lieux, des disciplines, des gens, et tout ça, il faut le prendre en compte. Voilà. Alors, je vais dire quelques mots sur Sorbonne Université, comment ça résonne, et puis Hervé pourra le faire pour Saclay. Sorbonne Université, en fait, c'est une jeune université. Alors, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est une jeune université, puisqu'elle date de 2018, hein, de la fusion entre deux universités, c'est l'université Paris-Sorbonne, ex-Paris 4, et l'université Pierre et Marie Curie, ex-Paris 6. Et en fait, c'est un acte vraiment important, c'est un acte, on va qualifier ça de bifurcation dans les trajectoires, hein, des deux établissements, puisqu'on a eu comme ça un acte de rassembler des disciplines qui étaient radicalement différentes. Pierre et Marie Curie, globalement, univers de sciences, ingénierie et médecine, et ex-Paris 4, Paris-Sorbonne, univers de lettres et d'humanité. Donc là, il y a un rassemblement, et donc Sorbonne Université, certes, on peut remonter au XIIIe siècle, aux origines, hein, de la coupole, la Sorbonne, on la voit derrière nous, mais ce rassemblement-là de disciplines extrêmement variées, c'est un acte fondateur, hein, et c'est quelque chose d'important même pour nos histoires, hein, de science et société. Science et société, ce n'est pas la science au sens strict du terme, monolithique, ce n'est pas les sciences naturelles uniquement, ce n'est pas uniquement les mathématiques, même si c'est important et on en parlera aujourd'hui. C'est aussi la recherche en latin, en grec ancien, en sciences de l'Antiquité, par exemple. C'est aussi la recherche en archéologie, en histoire de l'art, en lettres, etc. Donc la première chose pour Sorbonne Université, c'est bien prendre en compte ce patrimoine disciplinaire extrêmement riche. Et on a la chance d'avoir des savoirs qui traversent l'histoire de l'humanité de manière extrêmement large, c'est-à-dire notamment depuis l'Antiquité, avec des sciences de l'Antiquité très pointues, mais qui peuvent travailler en collaboration avec des chercheurs en intelligence artificielle, avec des personnes qui vont être associées plutôt,
plutôt un pôle d'innovation, on va dire. Et donc, on cherche justement à prendre en compte un peu ces grands écarts entre, on va dire, les profondeurs des savoirs humains et puis des choses très contemporaines, très technologiques, innovantes. Et aussi au-delà de l'humanité, avec des savoirs parfois qui traversent aussi l'histoire. Là, je regarde aussi parce que mon collègue, parce qu'il connaît ça mieux que moi en tant qu'astrophysicien, mais des histoires au-delà de l'humanité, hein, qui des échelles temporelles majeures sur les origines de l'univers. Voilà. Il n'y a pas de limite, en fait. Donc voilà, il n'y a pas de limite et nos savoirs, quelque part, sont infinis. Et l'enjeu principal, c'est d'arriver à organiser ce paysage, à le rendre digeste, lisible, et à donner envie. C'est-à-dire donner envie, c'est-à-dire inciter à la curiosité. Et ce rapport fait par CIRIS, donc, qui compare des bonnes pratiques internationales, l'idée pour nous, c'est d'ouvrir des fenêtres qui donnent envie. C'est-à-dire, tiens, il se passe quelque chose à Cambridge, tiens, il se passe quelque chose à l'Université de Genève. On ne va pas se mettre à le copier, à le décliner, mais ça donne envie d'en savoir plus. Donc, il y a plusieurs exemples qui peuvent résonner différemment dans l'établissement. Pour Sorbonne Université, on a quelques priorités. Donc, je peux énoncer les quelques priorités de notre stratégie avec la société, avec et pour la société. On a une première priorité qui est un axe fort autour des rencontres art et sciences. Art et sciences, c'est-à-dire, en gros, inviter des artistes en résidence, faire des expositions, les faire travailler avec des chercheurs, bousculer nos pratiques et en même temps nourrir l'art des savoirs scientifiques. Donc ça, c'est un volet. Il y a un deuxième volet qui est des sciences participatives, donc un thème qui a déjà été un petit peu évoqué par Yoran tout à l'heure. C'est l'idée d'avoir une structure, donc on a une structure commune au Muséum d'Histoire Naturelle à Sorbonne Université, qui s'appelle Mosaïque, qui vient accompagner des projets pour que les citoyens soient impliqués dans la collecte de données, pour observer à la fois l'état de la faune et la flore, par exemple, et de la biodiversité, mais aussi pour étudier le fonctionnement, parfois, de démocratie locale, de collectivité. Ça peut être des sujets aussi d'une maladie dans une communauté, etc. Donc il y a énormément de sujets de sciences participatives où les citoyens vont être invités à collaborer à différents niveaux, en fait, à différents statuts. Dans la collecte de données, parfois dans le traitement, parfois dans l'interprétation. Voilà. Donc ça, c'est un deuxième axe, c'est sciences participatives. Il y a un troisième axe qui est de travailler sur des médiations, des médias, disons, on va dire, assez variés et, si possible, un peu innovants pour faire parler de nos travaux. Alors, bon, on ne va pas multiplier les exemples, mais un ou deux. On a notamment développé des podcasts qui marchent assez bien. Alors, une diversité de podcasts, notamment une série avec Binge Audio sur le cinéma et la science. Ça s'appelle 7e science. Et en fait, c'est faire découvrir des travaux de recherche à partir de films au grand public. Voilà. Donc ça, c'est une série de podcasts disponibles sur toutes les plateformes que vous pouvez écouter. De manière un peu plus programmatique, là, quelque chose qui n'est pas encore vraiment public, on soutient un projet, par exemple, d'une doctorante en histoire du droit romain. On se dit, tiens, qu'est-ce que ça peut bien avoir à faire avec... L'histoire du droit romain. Voilà. Donc, elle est doctorante à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Elle a un projet très avancé maintenant de jeux vidéo pour faire découvrir ce qu'était le droit romain en faisant naviguer des personnages et en travaillant là-dessus. Donc là, c'est un projet qui nous a semblé très intéressant. On l'a accompagné dans son projet, avec un soutien également de la région Île-de-France, etc. D'accord. Et donc, c'est quelque chose qu'on cherche à accompagner. Voilà. Enfin, il y a un dernier levier, disons un dernier plutôt objectif stratégique pour Sorbonne Université, c'est faire des publics scolaires et, on va dire, des jeunesses, un public clé et cible de nos activités. Alors, évidemment, on a nos étudiantes et nos étudiants. On a plus de 50 000 étudiants à Sorbonne Université. Et donc ça, c'est déjà la société. C'est la société en construction. Mais avant ça, et pour faire le lien avec ce qu'il y a avant, eh bien, les lycées, les collèges, les écoles sont invités dans nos murs pour différentes actions. Évidemment, la fête de la science, c'est le moment phare en octobre, avec un village des sciences qui accueille plus de 10 000 personnes et qui fait découvrir de manière ludique, interactive, les sciences à différents niveaux. Donc ça, c'est sur le campus de Jussieu chez nous. Mais aussi, par exemple, un dispositif qui s'appelle Vie ma vie de chercheur, Vie ma vie de chercheuse, où on invite des lycéens. Et donc là, ce sont des collègues de biologie et maintenant aussi de physique qui ont initié ça. On invite des lycéens à découvrir des laboratoires de recherche et à faire des expériences, à savoir ce que c'est qu'une expérience concrète, quoi. Donc, et avec des doctorants et des doctorantes qui sont là pour les accompagner. Donc avec toute une chaîne en fait, de transmission. Et l'idée, c'est d'arriver à transmettre avec des enseignants-chercheurs, avec des doctorants et des doctorantes, avec nos étudiants, puis lycéens, collégiens, mais aussi écoliers. Je n'en ai pas parlé, mais aussi il y a des travaux et des expériences avec des écoles, pour essayer de mieux faire connaître l'université, ce qu'est la recherche, désinhiber et en fait, essayer de stimuler la curiosité et l'envie. Voilà.
Très bien. Hervé Dole. Merci. Eh ben, je vais poursuivre sur le même thème pour évoquer nos priorités. On a créé un festival qui s'appelle du Big Bang au Big Band, qui en fait traduit l'ambition d'aller de l'origine de l'univers jusqu'à la culture d'aujourd'hui et d'embrasser tous les savoirs. Alors, je vais peut-être commencer par ce que nous a apporté cette belle expérience ensemble entre nos deux établissements et avec Cyris, sous l'impulsion du MESR. D'abord, ça nous a quelque part rendu moins aveugles sur ce qui se passe au niveau international, parce qu'on a tous des voyages professionnels qui nous mènent dans des universités de par le monde. Donc on a des antennes, on a des yeux, des oreilles, on regarde ce qui se passe, mais on avait une vue extrêmement parcellaire. Et donc avoir cette étude comparative nous a permis de nous sortir, voilà, d'avoir des yeux nouveaux sur tout ce qui se passe, en tout cas surtout en Europe. Même si effectivement le rapport d'ailleurs que j'ai là, hein, qui sera publié donc tout à l'heure, on m'a dit voilà dans l'oreillette que à la fin du webinaire, tout sera disponible en PDF sur nos sites respectifs de Sorbonne et Paris-Saclay. Donc ça nous permet de mieux voir ce qui se passe de manière beaucoup plus cohérente et avec une typologie aussi qui est plus formelle, tout en éludant pas les gros problèmes de définition ce que c'est que science et société. Il y a un peu fourre-tout, enfin, tu l'as dit, Yoran, il y a quand même pas mal de choses. Il y a des universités qui sont structurées de manière complètement hétérogène. Il y a l'évaluation, c'est dans le rapport, tu n'as pas eu le temps de tout parler, mais l'évaluation des pratiques sciences et sociétés qui est essentiellement absente de tous nos établissements. Alors, quelque part, ça nous rassure parce qu'on ne le fait pas vraiment très bien et donc on voit qu'on n'est pas les seuls. Donc, on se dit, on se sent un peu plus solidaire des autres universités quand on fait des choses pas très bien. Donc, l'évaluation est un gros angle mort de l'essentiel des politiques qu'on a vu dans le rapport et même en France, il y a des choses qui se font. Donc ça nous permet de comparer ensuite nos points forts et nos points faibles, à la fois en tant que ce qui se passe dans le pays en France, mais aussi dans nos établissements. On voit qu'on n'a absolument pas à rougir de ce qui se passe dans nos universités françaises. Alors là, j'ai une casquette peut-être plus nationale sur ces thèmes-là, parce qu'on est dans un réseau de VP Sciences et Sociétés. On voit que nos universités françaises n'ont absolument pas à rougir de ce qui se passe sur ces domaines-là. Évidemment, on a tous des points forts et des points faibles. Mais pour revenir à Saclay et aussi à Sorbonne, on voit que la structuration, ne serait-ce qu'institutionnelle, elle est très peu présente à l'international, voilà, avec des VP, avec des présidentes qui nous soutiennent très fortement. Et ça, il faut le remarquer. Et depuis de nombreuses années, cette impulsion politique aide les collègues qui émergent, hein, parce qu'on l'a vu aussi, c'est beaucoup de pratiques individuelles de collègues dans nos établissements qui ont envie de faire des choses, et avoir ce soutien institutionnel et politique très fort ne résout pas tout, malheureusement, mais aide indéniablement à avoir un écosystème vraiment favorable. Donc ça nous permet de comparer. Et puis ça nous permet, comme tu le disais, Pierre-Marie, d'envisager l'avenir peut-être un peu plus sereinement, en picorant des idées. Pareil, il ne s'agit pas de transposer les 18 ETP de telle structure chez nous, sachant que voilà, à la diagonale, il n'y a que 6 personnes. Je ne sais plus combien il y a de collègues dans ton service. Mais donc on est quand même sur des dimensions un peu différente. Après, il y a aussi la structure en faculté, etc., qui fait qu'il y a quand même plus de monde. Mais donc, ça nous permet aussi de nous projeter. Donc, c'est vraiment une bouffée d'oxygène qui alimente notre réflexion et qui alimente notre stratégie. Pour parler de la stratégie de l'Université Paris-Saclay, elle se ressemble. Hein. Nous, on met le paquet sur sciences et sociétés, en particulier sur les scolaires et les publics éloignés. Donc, les scolaires, nous avons la MIS, Maison d'initiation de sensibilisation aux sciences. On a un laboratoire où on accueille les élèves toute une journée à faire des ateliers. On a nos écoles d'été, dont on parlera peut-être tout à l'heure avec Emeline, les écoles d'été pour filles, notamment les collégiennes. Mais pas que. On est intéressé à aller vers les publics éloignés, c'est pareil, hein, publics éloignés dans les zones à faible IPS, voilà, pour ceux qui parlent le jargon de l'éducation nationale, pour vraiment démocratiser et arrêter cette autocensure qu'ont une partie des collégiens et des lycéens sur leur avenir à l'université. Il y a beaucoup d'autocensure, malheureusement, encore. Et parmi les publics éloignés, je mets les politiques et certains médias, évidemment pas The Conversation ni d'autres médias, mais bon, on l'entend tous les jours, hein, voilà, parfois il y a des trucs complètement à côté de la plaque. Donc on a ces stratégies. Là, on a beaucoup à faire, hein, pareil dans l'étude entre Lucas, Medot et McGill, etc., qui font des choses très très bien. Là, on peut s'inspirer de ce qui se passe notamment au Québec et dans la francophonie, parce que là on a des choses à faire. Donc public éloigné au sens large et public scolaire. On a le côté art et sciences et culture, je mets les deux parce que
On a aussi un projet extraordinaire de résidence d'artistes avec la Villa Médicis pour créer un écosystème artistique et culturel en lien avec les laboratoires et la formation. Mais ça, on pense que ça ira au-delà de Arts et Sciences, c'est-à-dire que les artistes seront libres de faire tout un tas de choses. Et puis, alors il y a aussi un intérêt, c'est que les doctorants et les étudiants peuvent être impliqués dans ces activités-là. C'est aussi, on a toujours cette en background de nos stratégies, hein, la recherche, la formation et le territoire et le retour avec les citoyens. Et puis dernier point, pour faire court, la formation, tu l'as évoqué, vous l'avez évoqué aussi, formation des collègues, parce que même si les bonnes intentions sont présentes, c'est formidable, mais ça n'est pas suffisant. Donc on a un programme de formation des collègues, et on n'est pas les seuls. Hein. Et puis, des doctorants, ça aussi, ça marche très très bien. Il y a eu la journée du doctorat il y a quelques jours à Angers, aux Journées nationales du doctorat, où effectivement, la médiation était très présente, et des études montrent notamment celle de docteur Lionel Maillot, qui est un de nos collègues en Franche-Comté, montrent que les doctorants qui participent aux activités de médiation reviennent reboostés dans les labos, ils sont relégitimés dans leur motivation parce que la vie de doctorant n'est pas simple forcément tous les jours. Donc il y a vraiment, c'est gagnant-gagnant, c'est pas une perte de temps, enfin non, on est tous convaincus ici. Donc formation vers les doctorants, vers les collègues est aussi un des axes prioritaires. Plus des tout un tas de festivals comme vous qui permettent. Alors peut-être un mot sur la fête de la science, même si nous aussi c'est un événement phare avec le territoire, avec l'ouverture des labos, etc. N'éludons pas le fait quand même que la fête de la science est quand même un gros problème, même si c'est une idée formidable, hein, du Mercurien, etc., qui marche, etc., qui est souvent, les publics qui viennent sont peut-être déjà c'est les enfants de collègues, c'est les collègues qui viennent, c'est les gens le côté ouverture vers des nouveaux publics n'est pas la force probablement de la fête de la science, malheureusement. Alors on y travaille tous, hein. Néanmoins, il y a peut-être des choses encore à faire pour poursuivre cet effort. Certainement. Ben, merci beaucoup à nos deux vice-présidents qui reviendront tout à l'heure. C'est le moment pour moi aussi de dire, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais il y aura un échange de questions, hein, il y aura vraiment un espace de questions-réponses. On prendra des questions de la salle, mais vous avez aussi l'opportunité à travers les chaînes YouTube des deux universités de poser des questions. Et j'ai une petite tablette là que je vais essayer de lire et je me permettrai de répercuter vos questions. Et puis là, on va passer à… Oui, je peux dire un truc, oui. Il y a aussi un WooClap, un lien, oui. WooClap qui vous sera envoyé sur les chaînes YouTube pour les participants à distance. Donc avec vous pouvez voter sur une question que Yoran a proposée. Donc elle est en ligne normalement, sinon elle le sera dans quelques instants. Vous pouvez donner votre avis. Et donc on proposera deux ou trois questions pendant le déroulé du webinaire. On n'en parlera pas forcément à l'oral, mais suivez sur une deuxième fenêtre, si vous avez la possibilité chez vous, de suivre ces questions WooClap. Ça nous permettra d'interagir de manière complémentaire. Voilà, donc le WooClap et puis les questions, n'oubliez pas. Et du coup, on passe maintenant aux exemples concrets. Je vais accueillir Sylvie Benzoni, qui est la directrice de l'Institut Henri Poincaré. C'est un institut, si je ne me trompe pas, de recherche mathématique, hein, qui est à la fois de Sorbonne Université, mais aussi lié au CNRS. Dites-nous un peu ce que vous faites, par rapport à justement ce qu'on a évoqué toute la matinée. Alors, j'avais envoyé diapos pour vous montrer ce visuel. Donc, c'est effectivement un centre de recherche international à la base, mais il a ce projet qui s'appelle la Maison Poincaré. C'est un projet qui arrive à se concrétiser, on va le voir très très prochainement. Et c'est un musée au sens, un sens qu'on pourra discuter, mais enfin c'est un musée et en tout cas on veut de mathématiques et notre ambition c'est de montrer que les mathématiques dans ce musée prennent vie, de faire vivre l'expérience des mathématiques. Je vais m'y rendre parce que j'en ai besoin. Avec grand plaisir. Voilà, donc je ne sais pas qui a la commande pour passer la diapo d'après. Voilà, merci beaucoup. Donc effectivement, on peut se poser la question, pourquoi un musée des mathématiques dans un centre de recherche international? Donc déjà, je précise que le dialogue sciences et sociétés fait vraiment partie des missions de l'Institut, c'est vraiment un des piliers. Alors tout à l'heure, on a entendu, c'est pas un troisième pilier différent, mais en fait, on a trois départements, on en a un qui est vraiment en charge des activités scientifiques internationales, un département qui est en charge de sa bibliothèque avec tout un tas de collections patrimoniales et effectivement ce pilier sciences et société. Vous savez sans doute qu'il y a beaucoup d'enjeux liés aux mathématiques. Oui. Le système éducatif français est très fort pour faire sortir une élite qui est reconnue par les médailles internationales. Mmh. Et en même temps, les études internationales sur les élèves montrent que la culture mathématique arrive
mal à passer parmi les élèves. Et par ailleurs, les mathématiques sont un petit peu partout, dans tous les enjeux numériques et autres, et notamment pour l'insertion professionnelle des élèves. Donc, s'il y a vraiment un contexte très favorable à l'idée d'avoir un musée pour démocratiser, c'est les trois priorités, disons, démocratiser les mathématiques, sensibiliser les publics et les attirer les jeunes notamment. Donc, dans les publics cibles, il y a effectivement les scolaires, et on a défini des scolaires pas trop jeunes. On voulait quand même, avec cette spécificité d'être dans un centre de recherche, montrer des mathématiques actuelles. Et on s'est dit que c'était trop ambitieux de vouloir couvrir tous les publics enfants. Donc on a dit à partir de la quatrième. Et bien sûr, d'autres publics, hein, mais je veux dire, là, je parle des publics scolaires, avec une ambition d'accueillir vraiment une forte proportion de publics éloignés. Vous êtes peut-être au courant que l'Institut Henri Poincaré est en plein cœur du 5e arrondissement de Paris. Ce n'est pas exactement un endroit où il y a beaucoup de publics éloignés des sciences, mais on est en contact avec l'Académie de Créteil, avec des associations, par exemple une qui s'appelle Sciences Ouvertes, qui est basée à Drancy, avec tout un réseau d'enseignants et d'enseignantes pour faire venir des classes zones où les élèves n'ont pas forcément accès. Hier, on avait la visite d'un enseignant qui est à, alors je ne sais plus dans quelle banlieue, mais en gros, ces élèves, ils sont à peut-être 20 minutes de Paris, ils n'y vont jamais. Et donc, les ambitions, c'est vraiment montrer des maths, l'ampleur des mathématiques actuelles, qui n'est pas du tout soupçonnée de la plupart des gens, montrer qu'elles sont vivantes, qu'elles se développent tout le temps, et variées, et les faire vivre. Donc, faire vivre, ça veut dire qu'il va y avoir des expériences sensorielles, quoi, voir, entendre, toucher. Et alors, on a fait un choix fort aussi, parce qu'un des enjeux, c'est que les sciences en général, et particulièrement les mathématiques, sont extrêmement peu féminisées, et ça ne s'arrange pas. Donc, on a fait un choix fort à un moment de dire, on va présenter des gens qui font des mathématiques, et dans ces gens, il y aura autant de femmes que d'hommes. Bravo. Voilà. Et donc après, il y a l'histoire de l'inclusivité. Donc on a voulu essayer de montrer une forme de diversité. On a moins bien réussi que sur la parité, je pense, mais on a quand même essayé. Et puis l'inclusivité pour les personnes en situation de handicap, aussi bien visuel qu'auditif. Donc on a vraiment mis des moyens pour qu'il y ait de l'accessibilité aux non-voyants. Et donc c'est du braille, beaucoup, et des plans en relief, etc. Et de la langue des signes dans les vidéos. Plus un livret sur le facile à lire et à comprendre qui est en cours de fabrication. Une approche globale pour essayer de faire venir le plus de monde possible. Voilà. Après, donc sur la politique art et science, le dialogue art et science, donc ça c'est quelque chose qui est effectivement au cœur de l'IHP depuis même... Moi je suis arrivée en 2018 et ça avait déjà été initié bien avant. Il y avait eu par exemple une résidence d'artistes à la bibliothèque qui avait conduit à une exposition, il y avait pas mal de choses. Et là, ça se concrétise dans ce musée qui s'appelle la Maison Poincaré. Déjà, le symbole de cette maison, c'est une œuvre d'art, c'est cette sculpture. Alors je vous ai montré une photo prise dans le chantier, parce qu'elle est déjà installée dans le jardin. Le sculpteur s'appelle Ulysse Lacoste et son œuvre s'appelle Un Rulpidon. C'est lui qui a donné le nom. La raison, c'est qu'en fait, cet artiste a fréquenté l'IHP, sa bibliothèque et sa collection d'objets patrimoniaux et a été assez inspiré par cette collection. Et je vous invite, si vous êtes intéressé à voir ces objets, à visiter cette plateforme qui a été faite par un collègue de l'IHP qui, d'ailleurs, va être récompensé de la médaille de cristal du CNRS, qui s'appelle patrimoine.ihp.fr. Et on a déjà pu, avec les scénographes, installer un certain nombre de ces objets dans un espace patrimonial du musée. Donc vous en avez ici un petit aperçu avec la photo. Et par ailleurs, toute la programmation culturelle de l'IHP, et en particulier la Maison Poincaré, se fait avec des artistes et quelques galeries. Alors je voudrais terminer sur... La date d'ouverture, je vois que... Ce n'est pas la date d'ouverture. La date d'ouverture, c'est pour fin septembre. D'accord. C'est presque terminé. On est dans les dernières installations. Je regarde tout le temps par là-bas, parce qu'on a Elodie Chéreau, qui est la responsable de la Maison Poincaré. Ça se termine. Non, je voulais dire quelques mots sur l'international. Les relations internationales de l'Institut sont naturelles, dans le sens où les activités scientifiques sont internationales.
mais on a aussi développé des relations pour les activités sciences et sociétés. Et en particulier, on a organisé finalement deux sessions de conférences croisées avec le MoMAT, donc le musée des maths de New York, et l'association allemande Imaginary. Donc une première fois, c'était en ligne à cause du Covid en 2021. Et l'an dernier, en septembre 2022, il y a eu vraiment 3 jours où on a fait venir des gens du monde entier sur tout ce qui touche la médiation en mathématiques. Voilà. Par ailleurs, on a répondu avec Imaginary à un projet Erasmus autour de l'intelligence artificielle. Ça, c'est soumis. Et il y a un projet qui est en cours. Donc là, c'est venu par mes contacts scientifiques avec l'Institut analogue à l'IHP qui est à Cambridge, qui s'appelle le Newton Institute. Et donc, c'est un projet voilà, entre science et art. Voilà, c'est peut-être on déjà attend un petit peu trop long. Donc. Avec impatience, voilà. Non, avec impatience l'ouverture. Donc, bravo, merci encore. Du coup, je vais accueillir aussi maintenant Emeline Faugère. Vous êtes enseignante en génie mécanique. Vous allez me dire ce que c'est. Enfin, je sais à peu près, mais peut-être qu'il faut mieux le définir. À Paris-Saclay. Et expliquez-nous un peu aussi voilà, vos initiatives par rapport à ce débat science-société et à la mise en place d'un lien entre les deux. Bonjour à toutes et tous. Alors bon, effectivement, je suis enseignante mécanique dans un département d'enseignement-recherche de génie mécanique. Donc, le génie mécanique, c'est plutôt associé à la fabrication des différentes pièces, la production. Et moi, je suis plutôt dans le calcul, comment une pièce se déforme, risque de se casser. Voilà, je fais très, très simple. Mais en gros, on pourrait schématiser ça comme ça. Toutes sortes de pièces. Toutes sortes de pièces, toute application confondue. Ça peut être l'aéronautique. Moi, j'ai pas mal travaillé dans l'aéronautique, mais ça peut être voilà, la grosse industrie comme votre tablette. D'accord. Mais du coup, c'est pas de mécanique dont je suis venue vous parler aujourd'hui. Donc moi, je suis venue vous partager une expérience qui est une expérience de prof engagé dans tout un tas de projets. Et donc, du coup, je vais essayer, dans un premier temps, de synthétiser la diversité des projets associés à une diversité de profils visés. Et puis ensuite, si vous voulez, on pourra développer un ou deux projets qui vous intéressent. Mais bon, voilà, j'aimerais bien quand même vous proposer ce panel sur lequel je suis amenée à travailler. Alors, souvent de ma propre initiative, mais régulièrement aussi, parce que plus on en fait, plus on est contacté. N'est-ce pas, Hervé? Et ça, c'est vraiment génial, parce que voilà, tout un tas de portes s'offrent à nous. Et je pense que c'est aussi comme ça que la communauté peut vivre et que ce genre de projet peut vivre sur le terrain, parce que vous l'avez compris, moi je suis venue apporter vraiment une expérience terrain, quoi. Main dans le cambouis, mais pas le cambouis des moteurs. Du coup, sur la diversité des profils, je suis amenée à travailler sur des projets qui touchent mes étudiants et mes étudiantes. Donc là, on est plutôt sur des profils licence 3, master 1, master 2, donc des jeunes adultes. Très éclairé, très bien branché et super sympathique. Voilà, ça c'est quand même une qualité en fait de contact humain que les élèves avec lesquels je travaille. Et puis progressivement, on a été amené à travailler avec, à rencontrer des élèves qui étaient plutôt des élèves de lycée, alors lycée post-bac, c'est-à-dire CPGE, puis lycée pré-bac via notamment les écoles d'été où on accueille des élèves de seconde. Et progressivement, on a remonté la chaîne. Donc, avec les écoles d'été, on a la chance de travailler avec des collégiens et des collégiennes. Donc, beaucoup de collégiennes, mais on accueille aussi des jeunes garçons. Et puis, avec les actions qu'on fait auprès de la Fête de la Science, là, j'ai pu rencontrer cette année, c'est la première fois que je participe activement à la Fête de la Science en montant un atelier avec des collègues, des élèves d'école primaire et d'école maternelle. Et c'est assez incroyable, en fait, de remonter cette chaîne-là et de voir comment ces élèves réagissent. Donc ça, c'est le avant. Et puis ensuite, il y a le après, donc il y a le profil des adultes actifs et actives. Et donc du coup, là, on va retrouver les doctorants et les doctorantes, parce que pour moi, les doctorants et les doctorantes n'ont plus le statut d'étudiant-étudiante. Hein, c'est vraiment, c'est des actifs et des actives. Et puis, la communauté de collègues, parce que c'est important aussi de sensibiliser les collègues sur certains sujets. Et notamment, on a pas mal d'actions autour de... j'ai envie de dire la diversité en fait dans les profils scientifiques. J'aime bien parler de diversité de genre, évidemment, ça me concerne. Mais j'aime bien aussi parler de diversité au sens large et surtout de pratiques mixtes. Voilà, c'est mon registre. J'aime bien dire on bosse ensemble. Et puis auprès d'un plus large public aussi. Donc voilà, j'ai envie de dire monsieur et madame tout le monde. Hein, ça, c'est aussi intéressant. Je vous propose d'illustrer
certains, bien sûr, voilà, bien sûr. Certains profils. On a vu les publics et maintenant, voilà, voilà un peu voilà. Les... Donc typiquement, on a des actions donc avec l'école d'été qui est proposée auprès des élèves de seconde et de quatrième, où là, l'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle, pardon, une colo d'été, une colo scientifique, où tous les jours, on propose des activités sur une semaine à des élèves qui, au départ, ne se connaissent pas, qui apprennent à se connaître pendant cette semaine. Donc la seule différence avec une colo scientifique, hein, c'est qu'ils et elles ne dorment pas sur place. Mais sinon, voilà, on les amène à se rencontrer, à rencontrer des gens, à rencontrer... surtout la communauté scientifique, on va dire, sur le terrain. Quoi. Je pense que ça, c'est vraiment important de désacraliser ce qu'on fait. Alors moi, je ne fais pas de recherche, mais ça n'empêche que je côtoie des chercheurs et des chercheuses. J'ai fait de la recherche. Donc voilà, donc ils et elles voient la diversité des profils aussi sur le terrain. Je pense que humainement, ça recrée un lien avec la recherche, avec les sciences. Et puis aussi, ça permet à ces jeunes de s'apercevoir que quand on aime les sciences, on peut aussi aimer plein d'autres choses. Le sport, les arts et tout ça. Quoi. Et qu'on peut être très actif et active aussi là-dedans. Comment vous, si je peux me permettre, comment vous faites savoir du coup que ces colo scientifiques existent, que les jeunes y ont accès? Il y a des modalités. Comment ça se passe, juste un peu plus concret? Alors ouais, concrètement en fait, la première année, là c'est la troisième année qu'on l'organise, donc la première année c'était plutôt du bouche à oreille et effectivement on avait plutôt un public, on va dire averti. Hein, cette année on a communiqué au sens plus large, ça a été vraiment structuré, on est accompagné par la Diagonale Paris-Saclay. Ça c'est une force qu'on a, hein, d'avoir des structures administratives qui nous suivent et qui accompagnent. Donc là, on a eu le problème inverse, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup trop de demandes, ce qui, d'un côté, génère pas mal de frustration. Voilà, qu'il faut être capable de gérer, d'accompagner. Alors, quand on a des publics de quatrième, on peut leur proposer de recandidater en seconde, mais on sait qu'il y a quand même une question de passage à l'échelle. Et ce qui est quand même très intéressant là-dedans, c'est de voir qu'il y a une demande en fait de la part de ces jeunes. Et donc ça fait plaisir, en fait. Voilà. Mais bon, du coup, il faut être capable d'assumer le passage à l'échelle, évidemment financièrement, mais aussi humainement, parce que mine de rien, on ne s'appelle pas Shiva. Oui, bien sûr. Et on n'a que 24 heures dans une journée si on estime qu'on ne dort pas. Donc voilà. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est un exemple d'école d'été donc, où les élèves font. On a un autre exemple d'école d'été qui est porté par l'ENS Paris-Saclay, qui est aussi qui s'inscrit dans le plan égalité des chances, où on accueille aussi des secondes qui sont issues de la diversité. Et là, c'est plutôt une semaine de stage d'accompagnement avec des doctorants et des doctorantes. Donc c'est une autre expérience qui est aussi tout aussi riche et qui permet aussi peut-être d'aller rencontrer en fait des jeunes actifs et actives dans leurs activités de recherche, de voir que bah oui, en fait, c'est pas forcément toute la journée, les fesses sur une chaise à regarder un PC, mais qu'il y a aussi beaucoup d'interactions sociales, beaucoup de réflexions collaboratives et puis de l'expérimental, en tout cas nous, dans nos disciplines. Sur le côté registre élève, doctorant et doctorante, j'ai eu le plaisir pendant quelques années d'accompagner un programme qui s'appelait Design et Sciences, et là, en fait, on faisait se rencontrer des communautés d'élèves, mais aussi du coup des profs. Issus plutôt du registre des écoles de sciences, avec des élèves et des profs qui étaient plutôt issus du design. Et ça, c'est génial parce que, à mon sens, c'est vraiment comme ça que le monde marche. Et pour rebondir sur ce que disait la présidente de l'université en introduction, en fait, un des enjeux, c'est aussi d'accompagner ces élèves, alors d'une part, à se rencontrer, à bosser ensemble, et puis aussi d'apprendre ensemble la démarche scientifique et d'ouvrir le spectre de ce que veut dire la démarche scientifique. Parce que quand on fait du design, on met aussi en œuvre des démarches scientifiques. Quand on fait des sciences humaines, évidemment, on met en œuvre des démarches scientifiques. Et quand on fait des sciences appliquées ou des sciences plutôt fondamentales, évidemment, enfin voilà, ça tombe toujours, c'est dans le titre. Mais voilà, faut pas l'oublier, en fait, la démarche scientifique, elle est fondamentale dans le monde dans lequel on vit. Donc, on accompagne ces jeunes aussi sur ce registre-là. Humainement, ça pose des beaux challenges, hein, parce que quand on fait se rencontrer des élèves qui sont issus de formations totalement différentes, et donc du coup qui ont un formatage, parce qu'il faut le dire, hein, nos cerveaux sont formatés quand même, hein, donc qui ont un formatage assez orthogonal par moment, ça crée des beaux challenges, et ça je trouve que c'est là aussi où nous on a un apport, c'est très enrichissant. J'espère que nous on leur apporte beaucoup, et en tout cas ça ce qui est sûr c'est que eux nous apportent beaucoup, et c'est ça, enfin elles et eux nous apportent beaucoup, et c'est ça que nous ensuite on retransmet aux suivants et aux suivantes.
Je suis aussi assez impliquée dans le... pour moi, c'est important en fait, d'engager mes élèves, les doctorants et les doctorantes avec qui je travaille, en fait, dans les projets qui me sont chers. Et j'ai eu la chance en fait, de pouvoir collaborer avec une ancienne étudiante et un ancien étudiant qui aujourd'hui sont doctorants et doctorantes donc, dans un des laboratoires de l'ENS. Et on a monté une exposition qui s'appelle C'est mixte. Donc, quand je vous disais que pour moi, c'est pas femme ingénieur, c'est mixte et on bosse ensemble. Et en fait, on a abordé via cette exposition tout un tas de sujets qui sont issus de la sociologie du genre. Et cette exposition, dans un premier temps, donc on l'a fait vivre au sein de l'ENS et ensuite on l'a offerte à la communauté des profs de sciences pour l'ingénieur via un événement qui avait lieu sur place à l'ENS Paris-Saclay. Et comme ça m'est important de diffuser ce qu'on fait, parce que c'est un peu l'enjeu, hein, si on reste dans nos petits coins, ça ne sert pas à grand-chose, bah, on a édité un guide en fait, qui est actuellement en ligne et qu'on diffuse autant qu'on peut, si ça peut accompagner nos collègues, à aborder ces sujets-là avec leurs élèves. Parce que, bon, voilà, il ne faut pas se leurrer, hein, sur le sujet de la diversité, on n'est pas forcément super formé et ça demande du temps, en fait, de lire tout ça. Et j'ai envie de dire, petit parallèle, mais en fait, sur le sujet du développement durable ou soutenable, où on met tous les mots qu'on veut, c'est pareil, en fait, nous, en ingénierie, on nous demande de former nos élèves à ça, mais on n'a jamais été formé à ça. Et forcément, ça prend du temps. Enfin, pour moi, je mets vraiment ça dans le même registre. Donc ces deux personnes, Michel et Clément, sont des personnes formidables avec qui on a monté une expo qui est vraiment chouette. On l'a diffusée auprès de la communauté et on est en train de passer entre guillemets à l'échelle des établissements scolaires qui accompagnent une journée qui s'appelle First. Donc c'est Femmes ingénieurs réussir en sciences et techniques. Pardon. J'espère que je ne suis pas trop longue parce que j'allais vous couper bientôt, mais voilà, encore une petite minute et c'est bon. J'en ai conscience. Donc du coup, je vais conclure. Cette journée-là a vocation justement à présenter des marraines. Donc là, c'est vraiment un registre autour des femmes, donc des marraines auprès des collégiennes et lycéennes. Et nous, on a proposé tout le matériel en fait qu'on a réalisé pour cette journée-là. Et donc du coup, peut-être que je parlerai pas tout. Évidemment, il y a beaucoup de diversité, mais peut-être que ça peut me permettre de finir sur l'importance en fait du travail collectif et l'importance en fait du soutien. Et de la motivation collective. J'ai pas d'autres mots vraiment, c'est le collectif. J'espère que vous l'avez compris, je suis un peu hyperactive dans tous ces sujets-là. Et encore, il n'y a pas que ça, parce que quand même, de temps en temps, je fais cours à des élèves qui sont super, donc je fais des cours de méca. Et une chose est sûre, en fait, s'il n'y avait pas toutes ces personnes qui croient en fait en ces projets-là, à un moment donné, on aurait envie de baisser les bras. Donc voilà. Donc il faut absolument qu'il y ait cette communauté qui vive et il faut qu'il y ait un lien important en fait entre les soutiens qui sont les soutiens alors académiques, institutionnels et d'après moi un retour d'expérience, c'est très important que ce lien-là se fasse et que les institutions prennent en considération l'ingénierie pédagogique, le terrain, ce qui a été monté au préalable. Et puis c'est important que nous aussi on sache s'appuyer sur ces forces-là, notamment ce qu'on disait tout à l'heure pour tout simplement l'inscription de jeunes. Écoutez, merci beaucoup. beaucoup de public, beaucoup de projets. Merci encore. Cette fois, je vous coupe. Et du coup, est venu le temps, j'allais dire le moment tant attendu de l'échange et des questions-réponses. Donc j'invite du coup nos deux vice-présidents à revenir avec Johan également. Je crois qu'on se met à gauche ou à droite, comme vous voulez. Voilà. Voilà, on va vous répartir comme ça. Et du coup, je vais inviter tout simplement peut-être tout de suite les gens qui sont aujourd'hui dans la salle à poser des questions. Et si vous le faites, s'il vous plaît, vous vous présentez. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur tout ce qui a été dit? Il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. Peut-être en attendant que les questions se révèlent et apparaissent, un petit mot pour faire le lien avec les deux témoignages qu'on a eus. Hein, donc merci beaucoup à Sylvie et Emeline pour ces focus. Hein. En fait, ce sont deux exemples de projets de différentes natures, mais on voit l'importance des collectifs hein, derrière, qui sont soutenus fortement par les établissements dans le cadre du label SAPS. C'est ça le lien en fait avec aujourd'hui, hein, c'est qu'on a ce label science avec et pour la société qui, concrètement, on ne l'a pas dit, mais donne de l'argent chaque année à nos universités. C'est-à-dire le ministère donne une enveloppe à chaque université pour faire des actions
avec et pour la société. Alors, ce n'est pas n'importe quelles actions, il faut faire une stratégie, il faut faire un rapport après, etc. Et on a choisi, pour différentes raisons, de soutenir les dynamiques qui ont été présentées tout à l'heure. Donc, par Sylvie Benzoni autour de la maison Poincaré, c'est vraiment un projet phare pour Sorbonne Université, et par Emeline à propos de toutes ces dynamiques autour notamment des scolaires, écoles d'été, etc., ce qui a pu être présenté. Donc, ça, c'était juste pour faire un petit élément de contexte et de lien. On est parti tout à l'heure du benchmark international avec des exemples issus du monde entier. On a voulu redescendre, disons, ou se rapprocher, on va dire, de nos concrets quotidiens, nos lieux, etc., avec ces deux dynamiques fortes de nos établissements. Voilà. Très bien. Alors, je crois qu'on a une question dans la salle. Et puis après, j'ai plein de commentaires de questions qui viennent de l'Internet, de YouTube. Bien sûr. Monsieur. Oui, Matteo Merzagora, Universcience, qui est la cité des sciences et de l'industrie et le palais de la découverte. Une des choses que j'aimerais remarquer dans les exemples que je vois dans le panorama et dans vos universités, c'est cette idée de sortir un peu de l'idée de faire seul. De faire avec, j'ai vu les associations, j'ai vu les artistes, évidemment je représente les centres de culture scientifique et technique qui sont un autre acteur, et je voulais donc vous solliciter sur cet enjeu qui est compliqué pour une institution comme les universités, je connais bien, de se mettre en lien avec des acteurs qui fonctionnent de façon souvent très différente, et donc si vous avez des exemples phares à l'étranger et un peu vos universités, comment ils apprennent cette question. Merci. Je commence par un exemple peut-être. Oui. Effectivement, le label SAPS nous a aidés effectivement à créer un écosystème local autour de nos universités. Et en fait, on s'est vraiment trouvé, alors on a déjà une histoire, on n'était pas une bulle hors du système. Effectivement, travailler avec les associations, les centres de culture scientifiques, techniques, industrielles, c'est une vraie plus-value. On le faisait un peu avant, en tout cas pour Saclay, on le fait d'autant plus qu'on a ce label maintenant. Et c'est une vraie richesse. On arrive vraiment bien à se positionner. Il y a les producteurs de savoir, que sont les universitaires et les organismes, bien sûr. Les universitaires font aussi de la médiation, mais pas de la même manière que les associations et les centres de culture scientifique, qui connaissent parfaitement leur public, qui sont en général sur un territoire donné, sur lequel on intervient ou pas. Donc, en fait, il y a un maillage grâce aux associations et au CCSTI qui est très, très large, que n'ont pas forcément les universités. Et il y a une expérience, une expertise des associations et des CCSTI que, clairement, les universités n'ont pas forcément, même si, effectivement, les personnels de CCSTI sont en général formés dans les universités pour faire de la médiation, et tant mieux. Donc, il y a un vrai partenariat. Il y a, effectivement, des pratiques et des cultures qui sont différentes. Donc, il faut un peu se caler, etc. Mais ça, on y arrive. Donc, moi, du label SAPS, j'en tire cette conclusion que c'est une vraie découverte et une vraie richesse pour tout le monde, pour les citoyens, qu'il y ait ce lien entre universités, organismes de recherche d'une part, et associations, CCSTI d'autre part. Pour ma part, c'est une vraie découverte, parce qu'effectivement, j'avais, pour des raisons historiques, un peu moins de lien. C'est une vraie découverte et on fait plein de choses. Et grâce à ces financements, on arrive à cofinancer une partie des actions des associations. Donc, il y a quelque chose de vertueux qui se met en place. Et il y a une véritable expertise. Je pense à S-Cube sur le territoire de l'Essonne, qui a un programme sur les jeux scientifiques, notamment. Alors, il y en a plein d'autres, je ne veux pas tous les citer, mais là, une expertise que nous, on n'a clairement pas. Donc welcome, c'est vraiment bien. Uran, peut-être sur l'international, on disait tout à l'heure l'importance justement du collectif. Exactement. Alors, moi, j'aime bien l'exemple de Hambourg, où ils ont une agence de transfert, et les professionnels qui travaillent dedans, ce n'est pas des professionnels de la médiation scientifique, mais des professionnels de la médiation en général, qui sont des facilitateurs entre différents acteurs des sociétés. C'était peut-être impliqués avant dans des processions de médiation de paix, et maintenant ils travaillent dans la cellule de médiation scientifique, justement avec l'idée de travailler ensemble avec les différents acteurs de l'écosystème. Mais c'est important, de nouveau, de rappeler que chaque université a son propre écosystème. À Genève, ils sont au milieu de plein d'organisations internationales, d'ONU, etc. Ils ont créé le Geneva Science Policy Interface comme objectif de travailler ensemble avec des organisations internationales sur des thèmes pertinents à l'international, dans la politique internationale, où l'expertise scientifique est importante et nécessaire. Et du coup, ce centre qui fonctionne comme un think tank ramène ensemble les ONG, les organisations internationales et les chercheurs pour travailler ensemble sur ces thématiques. Oui, un mot pour Sorbonne Université, pour répondre à la question des partenariats. Alors, c'est fondamental et c'est au cœur de notre stratégie, notre volonté, pour différentes raisons. Un, la question des moyens. Nos moyens sont limités. On a dit, SAP, c'est quelques budgets par an pour les universités, mais
ça ne nous permet pas en fait, de faire tout ce qu'on aimerait faire. Et en fait, travailler avec des partenaires, justement, c'est un moyen, on va dire, disons, si possible malin, pour essayer d'avoir des ressources complémentaires et qui viennent un peu s'enrichir. Hein, voilà. Deuxième chose, c'est avoir plus de puissance, plus de visibilité et toucher des publics qu'on ne touche pas forcément. Et quand on va travailler avec soit des institutions culturelles, artistiques, des associations, on va avoir un maillage territorial, social, etc., qui va être complémentaire au nôtre. Donc ça, c'est fondamental. Il y a un troisième intérêt, c'est la friction, la dissonance, se faire bousculer par des univers qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire qu'en gros, si on reste dans notre coin, on est mort. Hein, c'est, l'ADN et l'essence de l'université, de la recherche, de la formation, c'est d'aller voir ailleurs, c'est de sortir de soi-même. Et en fait, ça, c'est vrai que les universités ne sont pas, disons, traditionnellement très organisées et très habituées à le faire. Donc, ça se fait par électron libre. C'est-à-dire qu'on a des grands vulgarisateurs, vulgarisatrices, on a des personnes qui naviguent un peu comme ça dans le corps social, on a des gens qui font du soutien scolaire extraordinaire, il y a des gens impliqués dans des cours dans les prisons. Cette galaxie d'électrons libres, elle est en train aujourd'hui si possible, se rapprocher. On cherche à le faire, justement, à soutenir aussi les électrons libres, de dynamiques plus collectives, plus structurées, avec des partenariats forts. Je prends un exemple. Bon, on en a beaucoup, hein, mais un exemple pour Sorbonne Université, on cherche à nouer un partenariat fort avec le Théâtre de la Ville. Ça partait d'une ou deux actions isolées, et donc là, on a, disons, un ensemble d'actions avec le Théâtre de la Ville, qui est implanté dans Paris, à la fois Place du Châtelet, c'est en travaux, mais ça va ouvrir, mais aussi au Théâtre des Abbesses, dans le 18e, et la semaine prochaine, donc là, c'est un petit peu de pub, hein, c'est l'occasion aussi de faire la promotion de nos événements, on a un événement avec le Théâtre de la Ville, autour d'un débat scientifique très sensible, c'est l'origine de la Covid-19. Alors, d'où vient l'épidémie, fuite de laboratoire, origine dite naturelle? Eh bien, si vous voulez en savoir plus, venez au Théâtre des Abbesses le mardi 30 mai avec deux scientifiques de Sorbonne Université, un médecin, Renaud Piaroux, spécialiste des épidémies, qui a fait beaucoup de podcasts sur France Culture, et Alexandre Assanin, qui est, lui, affilié au Muséum d'histoire naturelle et Sorbonne Université. Ils vont débattre, déplier les hypothèses, dire voilà en gros l'état de l'art internationalement, et tout ça avec en fait, la collaboration du Théâtre de la Ville. C'est pas simplement un lieu, c'est le Théâtre des Abbesses, mais c'est aussi un travail sur la mise en scène. L'idée, c'est d'essayer de sortir d'un format conférence traditionnel, d'avoir quelque chose, disons, où le rythme, l'espace du débat est travaillé un peu plus qu'à l'ordinaire. Voilà. Avec deux animatrices qui viennent des médias, de France Info, donc ce sont des collègues. Je vais y aller. Donc France Info et Mediapart qui vont relancer hein, nos deux scientifiques. Ça, c'est un exemple d'action avec Théâtre de la Ville. Évidemment, on a une myriade et un ensemble d'exemples qu'on pourrait prendre. Et tout ça, en fait, peut être suivi alors, sur nos réseaux sociaux hein, de Paris-Saclay, Sorbonne Université et également sur nos sites web. Même si parfois, l'entrée, hein, comment entrer dans nos univers, que ce soit nos sites web ou comment entrer dans Sorbonne Université, ce n'est pas évident. Et il y a un travail là-dessus. Voilà, y a un travail en cours, disons, d'amélioration de l'entrée de la lisibilité. Il y a des questions. Je vais peut-être lire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ma tablette s'affole, si je puis dire. Donc, je vais prendre deux minutes pour essayer de résumer deux ou trois choses. Il y a une bonne intervention, un commentaire de Bernard Bartan-Lyon, qui est un chercheur en nanosciences, qui a été président de l'association, et qui dit qu'il faut utiliser les associations de citoyens pour faire cette interface avec le grand public. Je trouve que c'est une bonne idée. Je ne sais pas si vous avez des exemples. Et il y a un commentaire un peu supplémentaire de Paula Bruzon, qui, elle, parle aussi notamment d'impliquer les travailleurs sociaux. Est-ce que ça se fait à ces niveaux-là aussi? C'est vrai qu'on voit beaucoup, et j'allais dire, c'est presque à mettre en rapport quelquefois avec un peu cette défiance vis-à-vis de la représentation politique, des associations de citoyens qui se créent pour faire bouger les choses. Vous avez ces rapports-là également? Pas encore, mais on y songe. On a eu des contacts, comme ça fait partie des N projets dont certains avancent vite ou pas. Au niveau du plateau de Saclay géographique, il y a des enjeux de territorialité, d'agriculture, d'urbanisation, des choses, un problème complexe. Et on a songé, mais on ne l'a pas fait, effectivement, à se faire rencontrer des associations de citoyens, des universitaires, plutôt en sciences humaines et sociales, et puis des politiques. C'est un projet qui verra peut-être le jour. Mais donc, pour être factuel, sauf erreur de ma part, on ne l'a pas trop fait, mais ça fait partie des choses. Un petit peu, voilà. Je regarde Olivier Kahn, le directeur de la Diagonale, qui m'aide beaucoup, je remercie le soutien, c'est évoqué, mais on a des collègues vraiment épatants qui nous aident, parce que si avec les politiques, on ne ferait pas grand-chose. Mais voilà, c'est tout un écosystème aussi dans nos universités. Très bien. Une question du coup dans la salle. Bonjour monsieur.
Donc Édouard Kerlik, directeur de l'EFR de physique et de la Maison pour la science Paris-Île-de-France de Sorbonne Université. Alors parmi le discours d'Hervé Daulle, vous citiez parmi le public éloigné les politiques et plus généralement, on va dire, la haute fonction publique. Et je voulais savoir si dans nos deux établissements, des initiatives étaient prises dans leur dans cette direction-là, sachant, hein, peut-être le savez-vous, que cette semaine, il y a un workshop à l'école d'été, à l'école de physique des Ouches, qui s'appelle justement « Approche scientifique des enjeux société », qui réunit justement des journalistes, des scientifiques et des acteurs des communes, des territoires ou du monde politique. Voilà. Peut-être un mot pour Sorbonne Université. Alors pour les deux sujets, en fait, à la fois le côté citoyen, on va dire, et le côté politique, même si les citoyens sont aussi un des acteurs politiques. Sur le côté citoyen et l'implication, on va dire, des savoirs ordinaires et comment les lier aux savoirs dits savants. Il y a un exemple qui est marquant dans Sorbonne Université, c'est dans le champ de la médecine, l'université des patients. Donc l'université des patients, c'est quelque chose qui a été monté par Catherine Touret-Turgis, qui a lancé ce programme où des malades, notamment des malades de maladies importantes et longues, hein, notamment des cancers, peuvent venir avec des médecins convertir, transformer leur expérience de patient dans un savoir qu'elles vont pouvoir elles-mêmes et eux-mêmes transmettre à d'autres patients. Donc ça s'appelle l'Université des patients, et ça, donc, c'est un programme qui a été soutenu maintenant depuis plusieurs années, avec une chaire qui a été créée, qui s'appelle Compétences et vulnérabilités, pour travailler en fait comment des vulnérabilités apparentes, sanitaires, sociales, etc., peuvent être transformées en compétences. Voilà. Et c'est aussi important pour ne pas voir l'université comme le monde du savoir au singulier, les sachants qui viennent imposer leur savoir, disons, et les lumières comme ça vers un corps social qui serait incompétent et non sachant. Et donc il y a cette implication-là. Donc là, c'est un exemple que je voulais prendre. Pour répondre à la question d'Edouard Kerlik sur les politiques, bon, globalement, sur les deux points, disons, on n'en fait pas assez, on n'est pas assez armé, on n'est pas assez organisé, tout ça est en cours de structuration. Sur les politiques, par exemple, les liens qu'il peut y avoir, les tentatives d'influence de travaux scientifiques sur les politiques publiques, etc., sont pour l'instant des liens qui sont souvent plutôt personnels, avec des chercheurs influents qui vont être dans tel comité, telle commission, à l'échelle locale, nationale, européenne. Ça existe. Il n'y a pas vraiment encore, disons, d'organisation collective pour Sorbonne Université là-dessus, mais il y a des réflexions en cours. Il y a une mission qui est intitulée une mission de diplomatie scientifique, avec un conseiller de diplomatie scientifique qui vient justement nourrir un peu l'équipe de gouvernance d'idées et d'actions dans les mois et les années à venir. Alors vous avez parlé tout à l'heure de l'école de physique, donc des Ouches, où il y a donc un physicien de Sorbonne Université, Jean-Michel Courty, qui est impliqué là-dedans, qui est venu nous voir justement pour nous en parler, en disant finalement là c'est un lieu où il y a des politiques, des savants, des citoyens, moi j'y participe, mais est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose de plus une application plus institutionnelle, etc. On a dit ben oui, travaillons pour l'année prochaine, donc on verra pour l'année prochaine ce qu'on peut faire là-dessus. Mais effectivement il y a un vrai sujet de savoir comment faire pénétrer nos expertises dans des sphères qui sont multi-échelles, les collectivités territoriales, les pouvoirs publics nationaux mais aussi européens si possible, pour faire peser la science et non pas seulement rayonner. Et je distingue parfois ces deux missions, le rayonnement, c'est-à-dire en gros faire connaître nos savoirs, donner envie, tout ce qu'on a un peu évoqué, mais aussi peser et influer sur le cours du monde. Et notamment les grands enjeux, notamment l'enjeu fondamental, qui n'est pas juste secondaire, accessoire, mais fondamental de la survie en fait, des espèces, du vivant, l'habitabilité, la durabilité, etc. C'est quelque chose qui est un océan d'objets d'études scientifiques avec énormément de choses qui sont faites et où on a du mal à peser. C'est-à-dire, quand je dis on a beau avoir des scientifiques au sein du GIEC qui font des rapports, qui sont un peu médiatisés, etc. Globalement, on voit que ça marche, on va dire, modérément sur le cours des politiques publiques. C'est-à-dire qu'il y a un effet qui n'est pas un effet de levier suffisant. Et donc là, il faut qu'on réfléchisse un peu collectivement. C'est aussi le sens de ce genre d'événement, c'est sortir de notre bocal Sorbonne, Saclay, etc. C'est-à-dire, essayons de faire des choses ensemble. Alors évidemment, ici, c'est une petite échelle, mais essayer de voir comment se mettre en...
se mettre en route pour essayer de peser plus fortement collectivement hein, sur des grands enjeux. Voilà. Je vais complémenter ce que Pierre-Marie vient de dire. On a d'un côté les universités, mais après, on a aussi, on n'a pas oublié que, par exemple, Paris, je sais pas, il y a une quinzaine, vingtaine, trentaine d'universités, et il y a peut-être qu'un parlement qui a du coup décidé à quelle université aller pour trouver leur expertise. Et si chaque université a ses approches pour montrer quelle expertise existe dans l'université, on a la compétition entre les universités pour que les médias ou les politiciens prennent l'expertise de leur université. Et je pense là, une approche importante, c'est aussi que ça vient directement des politiques, des politiciens. Comme par exemple, en Espagne, il y a Ciencia en el Parlamento, c'était une initiative bottom-up qui a été lancée par des chercheurs qui ont réussi à convaincre le Parlement de créer des commissions scientifiques au sein du Parlement, gérées par 4-5 personnes, qui rassemblent des scientifiques ad hoc sur des questions soit prospectives, de thèmes scientifiques, ou c'est réactif, c'est un tremblement de terre, etc., pour qu'ils donnent des informations scientifiques. Et je pense que là, c'est aussi le rôle de la politique de créer des instances, et pas que des universités, d'aller vers les politiques, mais qu'eux, ils aident à créer ce genre d'instances dans leur structure. Un mot rapide. Effectivement, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. Nous, on a des exemples aussi à Saclay, parce que le GIEC est en partie abrité au CEA et l'UVSQ et Saclay. Et donc, on a des collègues qui ont formé les membres du gouvernement. Je ne vous raconterai pas les retours qu'ils nous font ici, mais vous imaginez. Voilà, donc c'est très impressionnant. Donc, il y a des initiatives. Après, il y a quand même des bonnes initiatives. En se mettant tous ensemble, effectivement, mine de rien, il y a quand même de la compétition entre nos universités, les ONR, etc. Mais avec le réseau national, notamment des VP Sciences et Sociétés, donc au niveau national, on a été auditionné par le député Philippe Berta, qui est un des rapporteurs de la loi de programmation de la recherche et puis du budget de la recherche de cette année, qui est aussi à l'OPEXT, parce que l'OPEXT existe, donc l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, je dois à peine me tromper, dont je dis à chaque fois aux représentants, avant c'était Villani, maintenant c'est d'autres, je leur dis l'OPEXT c'est extraordinaire, ils font des rapports d'une qualité incroyable, mais personne n'est au courant. Et Philippe Bertam nous disait encore il y a une dizaine de jours, quand on l'avait en visio, il nous disait mais même les parlementaires ne le lisent même pas eux-mêmes. Donc il y a des structures qui existent, l'OPEXT, le SNCSTI, on ne sait pas ce qui devient, voilà. Mais il y a quand même des lieux où on peut agir avec certains députés qui ont envie de faire bouger les choses. Mais c'est toujours sur la base de certaines individualités. Alors, le GIEC, c'est un groupe, mais c'est une thématique. Le député machin, c'est quelqu'un. Pour peu qu'il y ait un président ou une présidente de nos universités qui ait la pêche et puis qui se retrouve dans un ministère, etc., qui puisse faire bouger les choses, bon, tant mieux, mais ça n'arrivera pas tout le temps. Donc, le système est quand même relativement faible là-dessus. Voilà, je suis d'accord. J'allais dire, mais on ne va pas lancer ce débat à cette heure-ci, la Covid aussi, et tout le débat autour de la Covid a été intéressant sur ces aspects-là, du lien entre les scientifiques et la politique. Juste une petite question avant de laisser le dernier mot de conclusion à Hervé et à Pierre-Marie, parce que c'est intéressant, c'est Marie-Christine qui demande tout simplement, et c'est peut-être pour Yoran, en fait, elle demande, qu'est-ce qui fait la différence entre les initiatives dont vous avez parlé dans le cadre de ce projet Média et Société et ce qu'on appelle tout simplement la médiation scientifique qui a toujours existé? Donc, elle se pose cette question toute simple qui est de dire, mais en fait, de la médiation scientifique, on a toujours eu. En quoi c'est différent ce que vous faites aujourd'hui? Et elle parle notamment de l'université McGill, enfin voilà, mais c'est une question intéressante parce que c'est vrai que, la réponse simple, c'est qu'on a l'air d'aller quand même beaucoup plus loin. Mais il y a peut-être une réponse un peu plus intelligente que la mienne. Je ne suis pas sûr qu'on fasse ça de manière différente, mais on fait ça beaucoup plus et de manière structurée. Il existait toujours des chercheurs, chercheuses tellement énergétiques et plein de motivation comme ces deux personnes qui ont décrit avant leur exemple. Mais maintenant, il y a par exemple beaucoup de bourses qui demandent aux chercheurs de faire de la vulgarisation et les obligent. L'impact social de la science, c'est quelque chose de devenu de plus en plus important, surtout aussi parce que beaucoup de gens veulent aussi justifier l'investissement de tout l'argent public dans la recherche. Et du coup, ils veulent revoir aussi le résultat. Et c'est pour ça que les activités science-société ont gagné en importance. Et après, bien sûr, aussi toute la digitalisation, l'ouverture des universités vers du public, quand on parle maintenant d'une quadruple helix, avant, c'est si on parle l'interaction entre la science, l'industrie,
les politiciens et aussi la société, c'est quelque chose qu'avant n'existait pas du tout. On parlait que peut-être à l'interaction entre l'académie et l'industrie, c'était déjà très innovant, mais ça gagne en importance. Ah, c'est surtout ça, c'est le contexte qui change et du coup l'importance de professionnaliser toutes les activités. Merci. Nous sommes déjà arrivés à la fin de ce webinaire, donc je vais donner le dernier mot à Hervé et à Pierre-Marie pour un peu en guise de conclusion, un peu la substantifique moelle de tout ça, d'une heure et demie d'échange autour de ces initiatives. Peut-être Pierre-Marie ou non Hervé pour commencer. Et puis notre hôte terminera. Alors je vais pas sortir la substantifique moelle de ce qu'on a dit parce que j'en serais bien incapable. Le rapport est très riche. Vous l'avez en ligne normalement. Sur le WooClap, on propose une question sur qu'est-ce que vous auriez envie quelle suite vous souhaiteriez que cet événement donne. Enfin, vous avez compris, même si je parle pas bien français. On pense que cette étude internationale est vraiment le point de départ de quelque chose de très intéressant pour la communauté française. Nos universités en premier lieu, mais la communauté française en général. Et donc, on appelle de nouveau une suite avec quelque chose peut-être à l'échelle européenne dans quelques mois, dans quelques années. Enfin, c'est quelque chose qu'on propose. En tout cas, peut-être pour conclure, merci pour ce rapport. On a travaillé ensemble, c'était formidable. Ça nous a ouvert les yeux. Ça nous permet de nous positionner et de donner des pistes. Et j'espère que ça sera pareil pour à la fois tous les collègues des universités, tous les centres aussi de sciences, les associations, tout l'écosystème sciences et société qui permettra aussi peut-être de suggérer des idées. Et puis peut-être dernier point, il y a aussi une mission Gilet qui est en ce moment mandatée par la ministre pour certaines évolutions. Ça me fait penser au point juste avant que peut-être avoir un chief scientist auprès du gouvernement, ce qui existe donc dans les pays anglo-saxons, notamment au Québec. J'avais parlé avec les gens du gouvernement du Québec, c'était très impressionnant d'avoir ce lien vraiment sciences et société, dépoussiérer, déposséder du côté compétition. Vraiment, c'est l'expertise au service de la politique, etc. Donc, on peut espérer que, avec ces comparaisons internationales, il y a des changements assez profonds qui interviennent, y compris au niveau du gouvernement, mais dans nos pratiques. Pierre-Marie. Oui, alors la bêtise, c'est de conclure. Donc, je vais essayer de faire ça la façon la moins bête possible. Mais un mot sur ce rapport, en fait, qu'on a été obligé de faire. Et en fait, comment on a donné du sens Le ministère a créé ce label SAPS et a donné des enveloppes aux universités, mais pas comme ça inconditionnellement, avec des conditions. Nous, la condition, une des conditions principales, mais envoyée à chacun indépendamment, c'était « Ok, votre projet, c'est intéressant, vous avez déjà des activités assez riches, mais vous êtes trop dans votre bocal national, essayez d'observer ce qui se passe à l'étranger, faites-nous un benchmark international. » Alors nous, on a reçu ça en disant « Bah oui, mais avec quelle force, qui va le faire, dans Sorbonne Université, on n'a pas de personnel dédié pour faire ça, etc. » Donc, on a eu cette idée un peu commune comme ça de se mettre en relation, de dire « Bon, on va faire ça ensemble. Voilà. » Donc ça, c'est un message important, c'est faire du lien. Ça a été au cœur de toutes nos discussions, faire du lien en interne, faire du lien entre les disciplines, faire du lien entre les universités, faire du lien avec des médias, faire du lien avec des associations, des politiques, etc. Donc, faire du lien, on a essayé de le faire avec ce rapport. Et d'une contrainte, on a essayé de faire quelque chose qui soit utile. Alors, utile, pas simplement à nous, mais aussi plus largement. D'où l'idée de ce webinaire, donc on a conçu avec The Conversation et Cyrus. Et on est satisfait, nous, et vraiment intéressés par le contenu de ce rapport. Donc, on n'a pas détaillé tout son contenu. Il y a une soixantaine de pages. Vous pourrez regarder et naviguer dedans. Et en fait, ce rapport, ça ouvre des fenêtres. Des fenêtres pour notre curiosité. C'est-à-dire se dire, tiens, je ne connaissais pas cette initiative à Barcelone, à Cambridge, à Tokyo. Et ça donne envie d'en savoir plus. Et de fait, nous-mêmes, on est encore, disons, à la fois frustrés et intéressés par ce qu'il y a dans le rapport. C'est-à-dire ça donne envie d'aller voir concrètement ce qui se passe, ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment ça marche, qu'est-ce que ça veut dire marcher, cette question d'évaluation qui est centrale. Et clairement, l'idée un peu à la fois de ce rapport et de ce webinaire, c'est d'ouvrir des fenêtres qu'ensuite, nous, institutionnels, politiques de l'université, on va essayer d'approfondir, de cultiver, mais aussi d'enrôler au maximum nos communautés dedans. Donc c'est le sens de cet événement. Et si ça peut aussi donner envie au petit public qui est en ligne et en présentiel de nous suivre dans nos activités, nos conférences débats, nos podcasts, les écoles d'été, les musées qui vont ouvrir, donc je rappelle, l'ouverture de la maison Poincaré en septembre, fin septembre,
septembre lié donc à l'Institut Henri Poincaré pour ouvrir les mathématiques et participer à cette dynamique, notamment art sciences et vers les scolaires. Et bien donc toutes ces choses là, bien vous pouvez les suivre sur nos sites internet, sur les réseaux sociaux, et donc c'est un univers de découverte. Voilà. Donc merci beaucoup à toutes et tous pour la participation à cet événement. Comme le disait tout à l'heure Emeline, c'est avant tout un collectif qui est là. Donc là, il y a des individualités qui parlent, mais derrière, il y a des directions administratives, il y a des services, il y a des collègues, il y a des étudiants et étudiantes qui participent à toutes ces dynamiques. Voilà, ça fait un peu footballeur à la fin d'un match, mais c'est important et c'est fondamental car en fait, il n'y a pas d'individualité sans collectif derrière qui les font tenir. Voilà. L'important, c'est qu'on ait gagné le match. Eh bien, écoutez, merci, merci à toutes et à tous. Merci à tous nos invités. Merci à vous aussi d'avoir participé indirectement ou directement à ce webinaire. Et puis, à la prochaine fois. Et encore une fois, allez voir le rapport, c'est intéressant. Moi, je l'ai déjà lu et il y a plein de choses dedans. Merci, au revoir.